Coucou Mister Fizz, bonsoir, comment vas-tu? Bah écoute, ça va aussi, tranquille. Aujourd'hui, c'était grave chiant les cours. En plus, ce matin, je me suis même pas levé pour déjeuner à 4h. Ça veut dire que j'ai rien bu et mangé depuis hier 20h. Ouais, comme moi, hein. Non, c'est pas vrai. Un peu plus tard, moi, j'ai mangé. Bah, courage! Courage, je compatis. The first one. Sky Galaxia. The first one. Bon, quelqu'un était first avant encore, mais voilà. Et c'est usable qu'une seule fois la commande. Coucou Caro, bonsoir. Eh non, même si t'es modo, ça marche pas. Hey, hey, hey. Si, ça l'a fait une fois. Je peux pas le renseigner non plus. Alors attends. Ah, ça marche pas, attends. The first one. Voilà, the first one. C'est bon, tu la sound? Je peux le re-régler? Il faut qu'une seule personne puisse le faire, normalement. Hop là. C'est bizarre qu'il n'y ait pas beaucoup de monde sur tes lives. Il y a une semaine, c'était blindé, mais genre hier, personne. Bah écoute, c'est parce que les gens n'ont plus rien à foutre devant mes cœurs, que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Je suis pas pour grand-chose, hein. Je crois que ça me surprend plus que toi en vrai. Coucou Extinction, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va bien, tranquille. Tranquille, tranquille.
Hello, nom. Bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir à toutes et tous, comment allez-vous? Coucou Mr. Fleece, coucou Snomnom, coucou Instinction, coucou Caro, coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde respire le bonheur comme d'habitude. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous. Je mets la lumière parce que je peux mettre la lumière, j'ai oublié. Et paf, lumière. Ah enfin, bah tu la vois ma tête, hein. Ma sale tronche de cake, tu la vois. Comment ils vont? Bienvenue à vous pour cette petite session de Mort Maker et à 14h de Potion Craft, évidemment. Voilà, bon. On est vendredi, et du coup aussi ce soir, c'est, évidemment, Among Us. Coucou Yoro, je suis en train de réfléchir. Bonsoir, bonsoir, la fille est pop-up encore, attends, j'ai pas changé de scène. Comment est-ce-t-as? Let's go. Faut que j'open, évidemment. Paf, c'est open bar. Ah, y'a Mr. Fizz qui s'est engouffré dans la petite file, hein. Paf, paf. J'aurais dû attendre un petit peu, histoire que les gens refreshent leur copie-coller, évidemment. Ça va bien, tranquille, fatigué, mais ça va. Ça va, sinon. Bon, Mr. Finn, c'est ton monde, let's go. Bonsoir, XDLOL. Coucou, Gnomena. Tu ne peux pas être Théo, parce que le bot, il reconnaît les modos. Dommage. Je t'aurais bien Théo, quoi, juste pour le plaisir. Écoute, ça va bien, Gnome, tranquille. Bonsoir. T'as vu, j'ai la voix du réveil. Enfin, bonsoir. T'entends. Coucou, Gabdi. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toi. Comment est-ce? J'espère qu'aujourd'hui tu vas venir avec un niveau qui est pas horrible, hein, Gabdi. Hein. J'espère, hein. Parce que bon, voilà quoi. Let's go pour le monde de Mr. Fleece. Tac. D'ailleurs, Gnome, t'as réussi à résoudre ton problème, pas? De son? Parce que j'ai réfléchi plus tard. Et je crois avoir potentiellement résolu ton problème de délai. Dans ma tête. Hein. Ah, c'est bon, c'est résolu? Ok. Parce que de ce que je me souviens, du coup, tu branches ton instrument en jack ou USB, ou enfin, je sais pas comment c'est. Je sais pas comment c'est ta connectique. Et du coup, elle est directement branchée sur PC, quoi. Et de là, tu dois pouvoir mettre ton son directement dans tes écouteurs, hein, en retour. Hein, via le programme que... via Voice Banana. Et de là, t'aurais pas de délai. Parce que toi, t'avais du délai parce que tu utilisais le retour OBS. Et le retour OBS, c'est du délai, de toute façon. Et normalement, de la même façon, tu devrais directement avoir le son de l'instrument que tu balances dans tes oreilles. Ouais, c'est pas simple, Voice Banana. C'est pas évident, quand tu connais pas trop, c'est un peu le souk, hein, clairement. Ça mange quoi ce midi? Ça mange pas ce midi, Mr. Fist, ça mange pas du tout. Je mange pas le midi, moi. Je me réveille déjà vers 8h, enfin, c'est faux, hein. Je me réveille vers 11h, le temps de préparer, là j'ai un peu slacké dans le lit parce que j'étais dead. Mais sinon, ouais, je mange pas le midi, moi. Je mange le soir à 19h, je grignote de temps à autre des petites conneries qui traînent.
Et après le soir, je grignote un petit peu devant une série ou quoi. Mais je mange qu'une fois par jour. Et je m'en porte pas plus mal, tu vois. Je suis pas. Je suis un peu gras du bide, mais ça va. Le ventre vide, c'est pas trop dur. Bah, c'est pas trop dur vu que je viens de me réveiller il y a pas si longtemps. Donc, tu vois, bon. C'est comme si pour moi c'était le matin. Le matin, c'est jamais trop dur hein, pour les gens. Enfin, niveau estomac, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais faim le matin. C'est même le contraire, hein. Si on me dit mange le matin, je peux pas en fait. J'arrive pas, j'ai pas faim. Il manque une pièce là, je reconnais. Ok. Ouais, moi ça fait très longtemps que je mange qu'une fois par jour et je m'en porte pas plus mal en vrai. Alors potentiellement, manquer d'énergie si je devais faire des choses qui nécessitent de l'énergie, d'accord? Vu que je mange pas beaucoup et je prends pas beaucoup d'énergie du coup, ça m'a toujours suffi. J'ai commencé à manger qu'une fois par jour, je pense, après la fac. Après la fac. Et encore, même la fac, des fois, je mangeais pas le midi. Si, j'ai lu Caro, pardon. Une tarte aux pommes va se préparer. C'est vrai, Caro va préparer une tarte aux pommes. Du coup, je pourrais manger une tarte aux pommes. Voilà. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Mais ouais, depuis la fac, c'est-à-dire depuis 2015, 16, je sais plus. Je mange qu'une fois par jour, et à la fac aussi, j'avais commencé un petit peu à manger qu'une fois par jour, parce que les prix des repas le midi, c'était... Ah, c'était quelque chose, quoi. Bien qu'on avait des pizzas à 3,10€, je crois, de mémoire, mais bon. Au bout d'un moment, on ne pas manger, quoi. Surtout quand, de toute façon, t'allais pas en cours le matin. Donc, évidemment... Pourquoi manger le midi si tu vas pas encore le matin? Ah merde. Mais ça va. Un peu chiant ça. Hein. Parce que pour t'amener ce truc là. Tu peux me faire ken là, je reconnais. Oh merde. Ok. C'est comme si vous avez le ramadan ou. Oui et non, parce qu'en fait, toi, le ramadan, tu te forces à ne pas manger, enfin, tu te forces, tu n'as pas le droit, entre guillemets, de manger quand il fait jour, je crois, de mémoire, c'est ça. Et auquel cas, si tu as envie, une petite envie d'un petit grignotage, tu peux pas. Moi, si j'ai envie de grignoter, je grignote, hein, j'en ai rien à foutre, hein, tu vois. Du coup, j'ai aucune contrainte, hein. Il arrive que des fois, j'ai un petit creux, hein. Ça m'arrive, hein. Et du coup, je grignote, hein. Ok. Moi je pourrais pas, tu vois. Parce que je bois énormément de flotte, hein. J'en bois énormément de flotte, hein. Ah, les packs de cristalline, ça y va, hein. Ouais, je sais plus ce que c'est les restrictions, mais y a pas que ça, ouais. Je connais pas tout. Mais moi, globalement, si je pouvais pas boire, c'était mort. Parce que là, tu vois. Ça là, pour moi, c'est la vie, hein. La bouteille d'eau, c'est la vie, hein. Je passe mon temps à picoler. Oh, j'ai un appel. Vous voulez que j'aille le micro? Ça va être encore un démarcheur. Oui, allô? Bonjour? Ça ne m'intéresse pas actuellement. Je suis en train de jouer à Mario Maker. J'ai pas le temps. Je suis vraiment désolé. Au revoir. Voilà. Elle m'a dit merci, au revoir. Elle a rien compris, je pense. Hein. Bah, ça va, hein, démarcheur free, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. C'est relou. Ça fait toujours marrer parce que tu peux leur dire n'importe quoi. Mais c'est vrai! J'aurais pu dire, je peux pas, je suis en live sur Mario Maker là, il y a mes viewers qui m'attendent, il y a au moins 10 millions de personnes là, ils sont en mode vas-y, c'est pour quand? Je peux pas. Vous passez à la télé en plus, c'est bon quoi. Non, mais c'est toujours fatigant quoi. Bon, après, elle taffe, hein. Elle taffe, c'est une nana. Ils sont pas. C'est pas. En fait, quand tu leur dis que t'as pas le temps pour X ou Y raison, d'accord, tu as envie de t'amuser un petit peu parce qu'ils savent très bien que c'est chiant, eux-mêmes doivent en subir, d'accord. Voilà. Tant que tout reste courtois, entre guillemets, ça va. J'ai été courtois, hein. J'ai fait une petite vanne. Potentiellement, si elle a compris, ça la fait rire. Puis elle a raccroché, quoi.
Elle m'a pas fait chier en mode non, attendez, attendez, attendez. Tu vois, ceux qui font ça, c'est insupportable. Il y en a qui le font, hein, c'est insupportable. Coucou à toi, Arquin, bonsoir. Mais c'était pas un mauvais démarcheur, c'est un démarcheur qui fait son métier. Enfin, ils font tous leur métier, mais il y en a certains, ils... tu vois, c'est de l'arnaque, tu vois. Là, bon, c'était pas vraiment de l'arnaque. Mais des fois, c'est relou, hein. Des fois, ils tiennent la jambe, c'est violent, quoi. Quand j'ai dit, j'ai entendu qu'un roux en bas l'a fait. Un petit esclave comme ça, je l'ai entendu. Moi, je suis pas aussi courtois que toi. Quand je comprends que c'est un démarcheur, je raccroche au nez, je bloque le numéro, pas le temps. Oui, bon, après, ça dépend des démarcheurs. Moi, ça m'arrive aussi des fois d'être un petit peu moins courtois, quoi. Mais tu me sens dans l'appel, hein. Parce qu'une fois, le démarcheur free m'avait appelé, d'accord. Il m'avait lâché, hein. Enfin, moi, je l'avais dit, j'ai pas le temps, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Il m'avait lâché, hein. Qu'est-ce qui vous retient chez les autres? Je viens de te dire que j'ai pas le temps, me casse pas les couilles. Ça énerve en fait. Je veux dire, bon, au bout d'un moment, si t'avais envie, tu serais à l'écoute. Si t'es pas à l'écoute, c'est que t'as pas envie. Donc on te fout de la paix. Peut-être... Après, je crois que je les comprends. Il me semble qu'ils sont payés au contrat aussi. C'est-à-dire que, enfin, ils ont des primes de vas-y, t'as aussi des contrats, quoi. Mais pfff. Chiant des fois. Bon, niveau très cool, hein. Je suis là pas très longtemps, j'ai un enterrement. Ah merde! Un enterrement. Genre un enterrement. Enterrement? Mes condoléances, Arkin. Si c'est le cas. Bah, mes condoléances. Faudrait que je le pas de mon futur TS collab, mais j'ai pas la foi. Bah, moi aussi, j'avais fait un truc qui fut un temps, mais bon. Non mais je demandais Yuro parce que ça lui arrive souvent Arkin de faire des blagues et ça aurait pu être pour une petite vanne, tu vois. Enfin une vanne, un rapport à autre chose quoi. Du coup j'étais pas totalement convaincu. Ça aurait peut-être pu être ça, tu vois, par exemple, pour la vanne Yuro. Coucou Bastien. Bonsoir, bonsoir. Non mais je peux comprendre Arkin, je peux comprendre. Ben disons que je risque de vous surprendre, mais Warmaker 2, j'ai plus vraiment envie. Ouais, alors Gnome, l'envie s'en va un petit peu, moi aussi. Hein. Surtout qu'il reste plus beaucoup de bons niveaux. Hein. Enfin, il en reste. Hein. Mais quand tu fais du overlevel et que sur les 15 niveaux, tu te tapes 10-12 niveaux qui sont moins dans l'envie de vouloir bien faire. T'es en mode, bof. Est-ce que j'irais pas jouer à notre jeu, quoi? Est-ce que j'irais pas jouer à notre jeu, ouais? Je sais pas quoi. Après, c'est normal qu'il y ait des moments où t'as moins envie. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais moi, mon envie vient aussi de vous en fait. Parce que tout seul, clairement, j'ai pas des masses envie de jouer à Morrowind. Alors, je pense que. Je crois qu'Hiro m'avait dit une fois que c'était la même chose pour lui. Il joue pas tout seul en fait. Sauf quand il crée, tu vois. Peut-être. Moi, je joue qu'avec vous en fait à Mormaker. Et quand je sens que vous avez pas envie vraiment que je joue aux jeux vidéo, ça me donne pas trop envie de jouer aux jeux vidéo non plus, tu vois. Et ça arrive, ça. Il y a des semaines où les niveaux, enfin, globalement, quand je dis globalement, c'est pas tous, hein. Mais dans l'ensemble, ça sent pas bon, quoi. Ça donne pas envie de continuer le jeu, hein. Le plaisir, y est pas, hein. Le plaisir, y est pas des masses, quoi. Du coup, quand je me dis que la plupart des niveaux, ils veulent me faire souffrir, je me dis, bah, les gars, vous voulez juste me voir souffrir. On peut souffrir ailleurs, si vous voulez, y a pas de souci, hein. SY7. Banque de guilde. Ah oui, c'est vrai que c'est la banque de guilde, Yuro. Aujourd'hui, je t'ai redonné mon Poisonous Mushroom Kingdom, mais cette fois, il y a deux checkpoints. Oui, j'espère qu'il est le plus appréciable, parce que la dernière fois, il était dégueulasse ton niveau. Ride Shell Board Kaizo. Mais je savais pas. Arkin, et j'espère que ça va aller. Mario got a brand new shell board for this birthday. One checkpoint. Ça a l'air sympa, ça. Ça va? Ok. Ok, ok, ok. Ça a l'air sympa, ça. Ah, mais je connais ce genre de niveau. On va spin, c'est ça? C'était pas un spin, si tu viens de jump. Je pensais que c'était un spin, je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai déjà vu ça lors d'une croûte d'e-race.
Putain, ça glisse avec l'inertie de mort, là. L'inertie de ses morts. Pardon, j'ai envie de crier. C'est pour réveiller Caro. Non, mais je sais, je rigole. C'est façon... Ouais, parce que c'est... Ah, ça peut-être un petit peu infâme, un seul, pour gérer l'inertie. Hein. Enfin, l'élan. Pour avoir le max élan. Eh ouais, j'arrive pas à max élan. Peut-être réussir, mais... Ouais, je pense qu'avec deux carapaces, ça aurait été plus appréciable. Après, du coup, si on met deux carapaces, on perd la difficulté de gérer l'inertie. Mais avec un shell jump à faire, c'est hyper chiant, je crois. Je suis même pas sûr qu'on puisse max, d'ailleurs, avec un seul. Avec 10, c'est trop simple, faut pas déconner. Ouais, on peut aussi bien jouer sur une seule, mais shell jump sur une seule, tu vas voir, même quand tu vas voir le niveau. Ah, j'ai réussi à max. Je m'attendais pas à max cette fois. C'est la gestion de pour le shell jump avant qui est un peu chiante. Et le problème, c'est si on en met deux, on a plus besoin de gérer l'inertie quasiment. Oh, faut envoyer le coup à droite. Je déteste ça. Laissez-moi shell jump comme je veux. Juste par curiosité, je peux voir l'épée du boss. Ben, il suffit que tu fasses la commande dans le chat, hein. Regarde. Voilà. Et là, les pays du boss apparaissent. 938. Et c'est toujours Arkin le boss. En fait, là, j'essaie juste d'avoir d'avoir le timing pour avoir le max élan. J'arrive pas à savoir si je suis en max ou pas, à cause de l'élan. Enfin, si je saute haut ou pas haut, quoi. Je pensais pas glisser, chef. Je pensais pas glisser du tout. C'est pas beaucoup trop tôt, mais elle a jamais craché aussi. Le canon qui est AFK. Le canon qui est parti pisser, bordel de cul. Ah ouais. Ouais, donc en fait, faut vraiment que je fasse un petit chajum, quoi. Genre, même en max, c'est pas ce qui est recommandé, quoi. D'accord. Je crois que la commande pour voir était réservée au mode non, c'est ta VIP. Mais tout le monde, je crois que même le chat peut l'afficher, hein. Même n'importe qui dans le chat, hein. Goal report, Mr. Fleeze. Let's go. Non, fais pas ça, Mr. Fleeze. En fait, tu me demandes de pas avoir d'élan, je pense, pour le chat jump, mais de le faire en max quand même. Sans élan, comme ça on saute pas haut. Et ouais. Parce que tout à l'heure j'ai chargé en max. Avec un max élan. Mais j'étais trop haut. Et le Koopa il s'est mangé le mur, le pauvre. J'ai enculé le Koopa contre le mur. Pam 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 pam. Ouais, faut que j'aime direct, ouais. Mais surtout, faut que je fasse avec un petit shell jump, quoi. Enfin, pas un contrôle, mais un max sans élan, quoi. Ouais, c'est comme ça. Je suis pas fan, moi. Déjà, ça coupe deux trucs que j'aime pas trop. J'aime pas faire des shell jump sans élan. Et j'aime pas devoir envoyer un Koopa dans un sens. T'as maxé avec élan, mais tout à l'heure, j'ai fait ça pas marché. J'étais trop près du mur. Ouais, mais là, c'est Yoro, jamais je ferai ça. C'est super, super objectif, Mr. Freeze. Subjectif, pardon. Ça me fatigue, ça. Thank you.
L'enchaînement, j'arrive pas. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont tous vu le même doc sur YouTube. La même vidéo, ouais, tout le monde l'a vu, je crois. Après, il y a beaucoup de fausses infos. Enfin, pas de fausses infos, mais de... Ah, c'est un monde d'influence, quoi. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, je pensais pas glisser. C'est pas vraiment le niveau le plus difficile, en vrai. Vraiment, le niveau... c'est assez incroyable, etc. Mais c'est hyper relatif, quoi. Oh. Mais non, moi je suis pas d'accord, Bastien, tu vois. Pour moi, c'est pas le niveau le plus difficile, tu vois. Ça l'est parce que le mec dans la vidéo, il a dit c'est le niveau le plus difficile, tu vois. Il est sûrement difficile, hein, j'entends, tu vois. Il prend sûrement du temps, mais le mec s'est juste pété la tête dessus pendant 3 ans, quoi, ou je sais plus combien. Ça n'en fait pas pour autant le niveau le plus difficile. 7 ans, non, 7 ans, je sais plus combien c'était, pardon. Mais c'est comme si moi je crée un niveau absolument dégueulasse, avec des trucs dégueulasses partout. Je vais me tuer toute ma vie dessus. Et qu'à la fin, on en fait une vidéo avec le niveau le plus difficile parce que j'ai mis 7 ans, quoi. Peut-être un mec va le faire beaucoup plus vite, quoi. Qui sait? J'arrive pas, hein, c'était mieux. Après, Zeket, ça fait longtemps que la commu connaît le niveau. Beaucoup de gens ont testé le niveau, etc. Et on sait que c'est le plus dur, objectivement. Je sais pas, j'arrive pas à être d'accord avec cette affirmation. Je trouve pas ça difficile de jouer comme un tas. Est-ce que le mec il est capable de refaire le niveau demain avec son propre talent, ou est-ce qu'il doit avoir la chance des inputs et l'apprentissage il est skillé, d'accord, ça c'est un fait. Mais est-ce que demain tu demandes de refaire le niveau, il va réussir à le refaire? Je sais pas. J'arrive pas à comprendre, moi, ce qu'est un niveau difficile pour vous. Pour moi, un niveau difficile, c'est pas un niveau qui met une vie à se faire, ou c'est pas un niveau où c'est super dur d'appuyer sur le bouton, tu vois. À la frame, on doit l'appuyer. Pour moi, c'est un niveau qui exige beaucoup de compétences de gameplay, beaucoup de talent, et qui, quand tu as réussi à acquérir le talent pour réussir à faire le niveau, demain, tu le retries. Bon, en plusieurs tries, évidemment, le temps de raffiner tout ce que t'as fait, t'es capable de le refaire. Les niveaux où les inputs sont presque perfects, je suis pas convaincu hein, qu'un jour, il est capable de le refaire. Hein. Pour moi, c'est pas la difficulté, parce que jouer au poker, c'est pas difficile, tu vois. Il suffit d'avoir un peu de réussite. Merde. Ok, je me rapproche. Je vais y arriver à faire ce challenge ou pas là? Parce que c'est fatigant. Après, je dois prendre le spring et tomber directement. Enfin, sauter directement pour le spring et tomber. Moi, c'est ça. Hein. Moi, mon avis sur la difficulté, en tout cas, à partir du moment où tu dois avoir un petit peu, quand même, pas mal de réussite pour rentrer les inputs. Bah, je me dis que c'est pas forcément difficile, hein. C'est juste, faut chatter sa mère, quoi. Tout du long. Et moi, ça n'a rien à voir avec la difficulté, ça. Hein. Ah merde! Ah, quel idiot! Je suis mort comme un con. Par contre, Théodé, je ne pense pas qu'il y ait de la chance en... Ben...
dans ce cas-là, le créateur devrait être capable de le refaire, entre guillemets, pas assez aisément, mais devrait être capable de le refaire sans forcément avoir mal au cul en essayant, quoi. Je sais pas comment le dire. Mais pour moi, à partir du moment où t'as méga peur de rester à un niveau que t'as déjà réussi parce que tu te dis là, il faut que je commit et faut que je prie pour que ça passe. Ben, je sais pas. Je sais pas, j'arrive pas à me dire que c'est bon. Ce passage est difficile. Oh, mais je suis en retard de ouf là. À partir d'une certaine. Mais ça, tu vois, cette affirmation, Bastien, ça dépend de ce que tu considères comme difficile, tu vois. Mais je comprends totalement. Mais c'est subjectif, c'est ce qu'on est en train de dire, en fait. Par contre, j'étais en retard, alors, pour quelle raison? J'ai cherché un jump trop large, c'est pour ça? Je pense, ouais. J'aurais du contrôle sur le coupage, je pense. Merde, trop bas. Ouais, c'est possible, mais vas-y, pour me citer un niveau plus dur. Bah, je pourrais pas te citer un niveau plus dur, parce qu'encore une fois, tu viens de dire que c'est subjectif, et moi aussi, et nous aussi. Mais quel con! Oh non, fallait que je le prenne, je savais pas. Oh, j'ai le seum. Oh, j'ai le sum. Oh, j'ai le sum. Oh, j'ai le sum, quoi. Ok, c'est bon, j'ai les inputs. Il faut que je jette. Et j'ai pas jeté, chef. J'ai l'air d'un con, là, tiens. Ok. Oh, j'en veux pas, faut aller vite. C'est con parce que je crois qu'on était pas loin du checkpoint, à mon avis. Oui, oui, alors ça, mais moi c'est ça que je me dis, c'est que c'est pas parce qu'un niveau est difficile à clear qu'il est difficile. Moi j'ai une distinction dans ma tête, moi subjectivement parlant, j'ai une distinction entre difficile à clear et niveau difficile. Pour moi, c'est pas du tout la même chose. Enfin, c'est pas forcément la même chose. Ça peut être la même chose, mais ça peut ne pas l'être. Et pour moi, un niveau difficile à clear n'est pas forcément difficile. Qu'est-ce que je dois faire là? C'est un YOLO Shell Jump, je reconnais ça. Ah ouais, c'est vraiment YOLO Shell Jump. Ok. Et je dis pas que c'est de la fausse difficulté. Et encore une fois, j'ai pas le droit d'avoir mon avis qui est différent du vôtre. Enfin, si j'ai le droit, mais. J'ai le droit de pas penser à la même chose, entre guillemets. Enfin, si. Enfin, c'est compliqué. Je répète mon affirmation. Ce n'est pas parce qu'un niveau. Et factuellement, selon tout le monde, difficile à clear, c'est un fait, il est difficile à clear, que pour autant, je peux appeler ça de la difficulté. Mais ce n'est pas parce que j'appelle pas ça de la difficulté que c'est facile. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais dire. Parce
Parce que pour moi, difficulté n'est pas synonyme de j'arrive pas à clear. C'est dur à clear. J'adore les frites et les kebabs. Ça, c'est factuel, ça, Mr. Fleas. Ouais, mais du coup, tu te bases sur quoi pour parler de difficulté? Globalement, de ressenti. Parce que, encore une fois, du coup, c'est quand même vachement subjectif. Donc, de ressenti. De choses qui me disent que j'ai pas besoin d'avoir de la chatte. Ou un petit peu de chance. Ou un petit peu de réussite. Parce que pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où t'as une once de réussite, c'est pas quelque chose que je peux appeler de difficile. Parce que moi, quelque chose de difficile, c'est quelque chose que je peux accomplir par mes propres capacités pures, simples et pures. Donc, si je suis capable de le faire une fois, je suis capable, en moins de 10 tries ou 15 tries, de le refaire. Normalement. Sinon, si la réussite, donc la chance, entre guillemets, rentrons en compte, pour moi, je n'ai pas acquis un certain talent, j'ai juste eu la chance d'y arriver. C'est comme faire des triple shell jump pour l'instant, ou des trucs que j'arrive pas à faire, tu vois, en TS. C'est pas que je trouve ça difficile, c'est que pour l'instant, les inputs, ils rentrent pas, et quand ils rentrent, c'est de la chatte. Et je trouve pas ça difficile à rentrer. Enfin, c'est difficile à sortir, si. Mais c'est pas la difficulté en tant que telle, parce qu'une fois que tu l'as... Bah, je sais pas comment l'expliquer, hein. En vrai, je sais pas, hein. Après, ça dépend des gens. Exactement, Bastien, ça dépend des gens. On peut pas tout faire moins de 10 tries, mais... normalement, entre guillemets... si. Normalement, si. Enfin, pas moins de 10 tries, mais tu vois, dans un certain nombre de tries, sans que tu te dises « Putain, j'ai pas eu de chat ici. L'input est pas passé, tu vois. » Normalement, quand tu sais faire l'input, quand tu sais le caler, même si aussi précis cela soit-il... Ben, tu dois pas prier. Tu vois, c'est comme... J'ai un bon exemple, tu vois. En speedrun, il y a le skip au niveau de la porte de Bowser sur Mario 64. Ce skip-là, il est infâme pour plein de personnes, d'accord? Et on va pas me dire qu'il est difficile, il est juste difficile à rentrer, tu vois. Ce trick-là est difficile à rentrer sans pour autant qu'il soit difficile. Les inputs sont pas durs à faire, il faut juste prier sa grand-mère pour que ça passe. Plus ou moins, il y a des setups, etc. Mais la plupart des runners, ils prient un peu quand même, hein, tu vois. Et pour autant... factuellement parlant, manette en main, c'est pas difficile, tu vois. Oui, après, j'ai pas joué le niveau, il est vrai, j'ai trop regardé, tu vois. Mais d'autre part, je me dis que le mec a quand même passé 7 ans dessus, tu vois. Oh ouais, j'ai réussi assez fast en plus. Mais là, je suis baisé, non? Ok, non. Je pense que j'ai compris, il fait la différence entre un niveau dur mais finissable seulement avec de la chatte et un niveau finissable... Ouais, enfin, ça c'est dans la... Pas seulement, parce qu'il n'y a pas que la chatte qui entre en compte, c'est un exemple, la chance entre guillemets. De toute façon, moi, à partir du moment où il me faudrait un petit peu de réussite et il faudrait que je commit en faisant une petite prière avant, je pourrais pas me forcer à faire un niveau parce que ça va me frustrer à mort en fait. Je sais pas comment font les gens pour continuer à foncer, faire des choses comme ça, tout en espérant que ça passe à ce moment-là. Je ne pense pas qu'ils se disent qu'il a eu de la chance. Je dis pas que c'est de la chance, mais je suis à peu près convaincu et certain, en tant que joueur Mormaker, en tant que joueur de plateforme, qu'à un moment donné, quand il a fait le niveau, à certains passages, il se dit « Je jump, j'espère que je vais l'avoir cette fois. » J'en suis absolument sûr et certain, d'accord? En tant que joueur, j'en suis sûr. On s'est tous dit ça et on se dit tous ça. Il y a des passages, des fois, qui nous mettent en mode « J'espère l'avoir à ce moment-là, je vais faire les inputs et bon. » Et tu vois, moi, à partir du moment où je me dis ça, bah, ça dépend plus vraiment de moi après, totalement. Et c'est ça qui m'emmerde. Mais c'est logique, non? Enfin, oui, c'est logique de se dire « j'espère que je vais l'avoir ». Mais normalement, tu dis pas « j'espère que je vais l'avoir », normalement, tu dis « je vais l'avoir, c'est sûr, je sais comment on fait ». Ah. Je vois pas où se trouve la chance dans Mormaker 2, au pire. Mais c'est pas de la chance, c'est de la réussite.
C'est pas genre de la chance parce qu'il y a un aléatoire, tu vois. Comme tu le dis, c'est une question de timing, tu vois. Après, le timing, la maîtrise, tu peux la perfectionner, d'accord? Tu peux, entre guillemets, réduire ta fenêtre de timing pour la préciser de plus en plus. Mais comme on a tous dit tout à l'heure, on n'est pas un robot. Coucou Mickaël, bonsoir. On n'est pas un robot, donc à partir du moment où le niveau est trop précis, etc. Et donc, trop difficile à finir. Ben, ça en fait que finalement, tu vas faire une petite prière, quoi. Et est-ce que faire une prière, c'est de la difficulté? Parce qu'on n'est pas des robots. Non, j'ai vu Caro, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, parce qu'en fait, on parlait d'autre chose et du coup, j'ai lu le message. Bonne tarte pomme à toutes, Caro. Hey, à toutes, à toutes. C'est Amalwan qui arrive. Pourquoi Amalwan? Bonsoir, bonsoir, comment vas-tu? Warrior, Amalwan Warrior. Enfin, Amal. Bon, on arrive à faire le niveau ou quoi? Normalement, je passe la phase, là, je le sais, je le vois. Je l'ai entrevu dans le futur. Ouais, bah c'est pas comme ça qu'on va l'avoir, la phase. Hein. Bah écoute, ça va, tranquille, à mal. Toujours pas fait ta commande, Arkin, ouais. Mais elle devrait pas tarder, parce que hier, j'en ai fait quelques-unes. J'ai fait celle où j'ai pas besoin de mettre le micro, et normalement, je vais la faire aujourd'hui. Enfin, si j'ai le temps. Entre guillemets, parce qu'il y a double live aujourd'hui. Rappelons-nous. Mais du coup, je veux dire, Zeket, tous les autres niveaux... avec donc des difficultés ont les mêmes caractéristiques que Todd. Donc, il n'y aura pas de niveau le plus difficile. Mais comment ça... J'arrive pas à comprendre pourquoi tu veux trouver le niveau le plus difficile. Quand moi, je parle de subjectivité. C'est-à-dire que moi, je te dis ce que je pense, ce que j'en pense. Donc après, t'as le droit de penser que c'est le niveau le plus difficile. Et moi, j'ai le droit de penser que c'est pas forcément le cas. Et je sais pas comment on le trouverait. J'en ai aucune idée. Il doit en exister un, j'en sais rien. Je sais pas. Car tu te dis forcément... Non, ça c'est pas vrai, Bastien. Je me dis pas... Enfin, si oui, je me dis j'espère que ça passe, mais... Je me dis pas... Tiens, je vais faire l'input. Et c'est tellement précis... que je vais prier pour que ça passe. Tu vois, je vais commit mon jump et je vais prier tous les astres existants, connus ou non connus, pour que ça passe. On se dit pas tout ça sur les niveaux. Par contre, on se dit souvent, j'espère que ça va aller. Que ça va passer, quoi. Mais c'est pas sur tous les niveaux où on se dit ça, quoi. Coucou Zukos, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, comment vas-tu? J'aime pas ce shell jump. Hein. T'avais une commande à mal, ouais. Tu m'as toujours pas dit ce que tu voulais d'ailleurs. Ouais, en fait, là, je veux pas max mon shell jump. Je veux juste faire un shell jump sans élan. À chaque fois, je le max sans le faire exprès parce que je cours à contresens de la shell, je crois. Ouais, j'arrive pas. Hein. Truc de fou. Hein. Ce soir, écoute, c'est ça va, Zukos, tranquille. Bah, écoutez, c'est comme le Todd, et bon, qui dit vendredi dit. Dit Amal, dit 3D imposteur. Dit. Amusement, quoi. Je suis en retard, en plus, j'ai marché un petit peu. Mais je l'avais tout à l'heure, je l'ai plus celui-ci. Ça me fatigue. Merde à la fin. Tout ça pour un shell jump. Ok. Après, il n'y a plus rien. Par une gestion d'inertie. Allez Zeket, fonce Zeket. Allez Zeket, on croit en toi. Allez Zeket, tu peux y arriver Zeket. Fonce Zeket. Allez Zeket. Allez Zeket, go go go, donne tout. Allez Zeket, courage. C'était trop tard. Zeket. Allez Zeket. Bah il semblerait qu'il y ait qu'un niveau ce midi. Hein. Oh j'espère pas mais. J'espère jouer mieux, quoi. C'est de la merde, il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Après, de base, si je disais ça, c'est tout. C'est car je ne comprenais pas comment, sans connaître le niveau, ni en ayant joué, tu pouvais savoir comment il était. Ouais, t'essayais de me mettre échec et mat, quoi, si j'ai bien compris. C'est ça, Bastien. Ah, merde. Ça s'enchaîne et ça reste visible. Ouais, le premier shell jump, il est un peu particulier, Mickaël. Hein.
Ok. Faut avoir le coup, quoi, on va dire. Bonsoir, Flore, pourquoi toi? Como estas? Ok. Merde. Coucou Léa. Bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien, que tu as la forme aussi, que tu respires le bonheur. Ça, c'est sûr, il y a des mécaniques cool et des bonnes idées. Ouais, non, le niveau est très cool. Hein. Très, très cool. Le shell jump, c'est juste que j'aime pas les shell jump. Enfin, le truc, c'est que je sais pas si je vais avoir le max élan à chaque fois. Enfin, je sais pas comment le dire. C'est que je suis jamais convaincu si je vais avoir max élan ou pas sur le jump. Du coup, je sais pas si je vais sauter haut ou pas. Du coup, le shell jump, il est un peu plus compliqué, quoi, à caler. Ok, je pensais pas l'avoir. Non, après, la gestion d'inertie sur la chaîne est pas trop dure. Hein. On l'a pas si tu veux. Je vais faire des contrôles, comme ça, au moins, c'est sûr que j'ai toujours la même chose. Mais... Ah, parce que je suis au bord, du coup, je tombe. Faut que je me mette sur la droite de la chaîne. Faut que je contrôle, hein. Faut pas que je chante un max, hein. Je vais juste contrôle en fait. Comme ça, je suis sûr de déclencher le timing comme il faut. Enfin, je suis sûr. Je vais prendre ma mallette, hein, si elle a envie ou pas. Merde, j'ai attendu. J'ai attendu. T'as raté un 24 heures entier, je crois, Mickaël, ouais. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Hein. Ça arrive, hein, tu as le droit. Hein. No problème. Après, je crois qu'il y en a un le week-end prochain, déjà. Enfin, pas celui-ci, hein. Mais la semaine prochaine, je crois, déjà. J'arrive pas à faire ce truc, ça me saoule. J'ai mis un petit coup à droite pour être sûr d'être tourné à droite et du coup j'ai glissé parce que j'ai fait un pas. Mais oui, parce que j'ai mis un petit pas à droite pour être sûr d'être à droite de la chaîne pour pas en tomber, et du coup j'ai trop loin à droite après, quand j'ai sauté. Ouais, j'étais nul aussi, ouais. J'ai clairement été nul moi aussi. YOLO SHELL JUMP. Ouais, yes, bien réussi. Je sais pas pourquoi j'ai chuté si tôt. Thank you.
Pardon ? Ça fait 2 ans depuis la dernière coupe de l'anime, je croyais avoir... pas avoir autant perdu. Ouais, moi j'ai galéré, moi. Merde. En plus, au départ du quiz, vous disiez avec Caro et toi, Gnome, ça va, que c'était pas trop dur. Pour quelqu'un qui connaissait Naruto. Enfin, ça va, hein. Je connaissais, j'ai plus la merde. Ah, j'ai un peu plus la merde, quoi. Merde, trop tôt. Bon, on la passe la phase ou quoi? Parce que là, ça dégoûte, non? Et tu veux pas en finir un jour, là, dans ton niveau? Ah ouais, clairement. Merde! On est nul, là. C'est long, là! Je vais mourir. Ah putain, je t'arrête du cul. Je vais devoir y aller, si tu peux faire mon niveau, ce serait sympa, ce sera le monde, merci. Sinon, pas grave, si je le ferai, il n'y a pas de soucis. Je le ferai du coup. NPNP. Eh oui, je m'en doutais. Le problème, c'est que j'étais trop à droite, trop à gauche de la chaîne. Et quand je shot, on tombe. Ça fait un peu chier. Parce qu'il faut que je me recale à droite après. Sinon, je vais forcément tomber. Oh, putain, attends. Un petit raccourci pour Fleece, du coup, après. Ça marche. Oula. Bon, j'y vais, tu pourras like tout mon profil et faire de la pub en mettant mon code créateur sur tous les levels que tu joues. Ok, je ferai ça. Ok, yes. Yes, Nintendo, pas de soucis, t'inquiète. Vraiment aucun problème, Nintendo. Shell jump. C'est bon. Ouais. Ok. Mais j'ai pas vu au-dessus, putain, je suis aveugle. Bon, ça, je crois que c'est timé parfaitement. Ah, c'est la baisse! Sans aucun problème. Mais fous-nous un checkpoint ou chie-nous dans la bouche, c'est pareil, finalement. Heureusement qu'il y avait le checkpoint. Point, point. Heureusement qu'il y avait le checkpoint. Point, point. Putain, on pourrait presque croire que c'est moi qui ai fait le son, quoi. Ah. Et du coup, Mickaël qui me. Tue, qui me bute, bordel de cul. Super. Bravo. Belle ambiance, ça. Ça, parce que je joue pas assez bien, quoi. Ah, je dois retomber dessus. Je l'aurais plus vu à droite, moi. Ok. Vraiment que je joue mieux aussi, hein. Sinon, ça va commencer à se voir, hein, que je fais exprès de mourir.
Ok. Faut que j'appuie dessus, je suis con. Bon après, c'est un niveau de zéro, ça ne peut que être parfait. Ça va le... Le malaxage de bas, vous nous avez tout à l'heure. Ça va, Yoro, elles vont bien? Ah ouais, hein? Incroyable, ça. Merde. Ah ouais, flattez-le, quoi. Flattez-le, flattez-le. Hein. C'est... Je trouve un petit peu à gauche ce Spiny. Merde. Ah yes. Yes yes yes, j'ai voulu être face, j'étais trop face, du coup j'avais pas la bonne distance pour Liane. Ça dégoûte. Pardon ? Faut que je l'envoie à droite, ça. J'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul. Mais tu sais, Zeket, c'est surtout un incroyable talent sur Smash Bros. Qui nous permet de nous délecter de la qualité du niveau avant tout. Oh là, Malouane qui illustre les bols de tout le monde. Hein. C'est gentil, Amal. Hein. J'étais déjà assez propre. Hein. Pas du tout, Yoshard. Oh, c'est à droite qu'il faut l'envoyer, putain. Ah, lustre de bols professionnel de père en fils depuis 13 générations. Pardon. Pardon. Fous-moi la paix là, laisse-moi gagner le jeu vidéo maintenant. C'est bon. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Qui m'a tué, j'avoue. Pourquoi il m'a tué, Mickaël? Pourquoi tu me tues, Mickaël? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me butes? Oh, genre ça passe pas. Genre ça ne passe pas, quoi. Ouais, ça c'est l'envie de vouloir aller à droite. Ça c'est marrant parce que t'as vraiment envie d'aller à droite et du coup, en ayant vraiment envie d'aller à droite, bah tu pars avant le spinning à chaque fois. Oh, je suis bon. Ça marche. Viens récup. Mais c'est trop chiant, bordel de cul. Je suis allé à droite cette fois parce que le bout, tout à l'heure, je me suis mangé, du coup j'ai eu peur cette fois de le prendre, du coup j'allais trop à droite. J'ai fait le con. Y'a pas la commande chiant, non. Je pense que tu devrais écouter des conseils de cette dame là. Ouais, mais j'essaie de jouer mieux. Mais après, tu verras quand t'auras le niveau en main. C'est pas... Comment dire? Ah merde, je suis en retard de ouf.
C'est pas si dur, mais il y a une gestion à faire de certaines choses qui te perturbe un peu. Enfin, moi qui me perturbe un peu. Enfin, pas que c'est mauvais, hein. Merde. Ah, c'est ça, attends, moi je crois. Tu nous demandes d'abord de nous poser ici, je pense, c'est ça? Ou tu veux qu'on reste dessus? Oh, je sais pas. Je crois qu'on peut faire les deux. On peut soit faire un petit saut avant, soit y aller directement et attendre et re-spin par-dessus. Je crois que les deux sont faisables. Oh, c'est Shazam trop fort. Hein. C'est bizarre ça. Parce que je dois me forcer à vraiment l'envoyer à droite du coup, donc à être vers la gauche. Du coup, il faut que je gère mon inertie comme il faut pour avoir l'inertie suffisante ensuite pour rebondir dessus. C'est qu'il a un anneau. Donc du coup, il faut que je la tape au bon moment, quoi. Enfin, avec la bonne inertie au bon moment. Attends, Zeket, je vois que tu es intéressé par mon talent de lustreur. Je te donne un cours gratos si tu veux. Mais il nous faut un cobaye. Qui va être le cobaye? Killamnos veut se faire lustrer? Pardon? Oh bah, Killamnos, personne incroyable, évidemment. Killamnos, même quand il est pas là, il est là. Prévenez. Coucou, Killa. Oh, Killamnos qui a fait des niveaux incroyables. Rappelez-vous les Castle of Madness, quoi. Fameux niveau avec une bombe, là. Incroyable. Merde. Une bombe et des flammes, là, c'était la folie. J'ai failli reset, hein, à l'instant. Ça marche, Mr. Fleet. Désolé, je suis trop lent sur le niveau, je suis trop nul. Oh non, c'était bon. Attends-moi! Coucou Killamnos, bonsoir, comment vas-tu? Comment est-ce que ça après ce lustrage? Ouais, je m'en doutais que je le raterais, je m'en doutais. Ah non, je vais le finir, ouais, je suis à la fin. Merde. Imagine la chaîne s'arrête car Zeket, t'imagines elle s'arrête pile poil quand je lui dis? Ça serait incroyable. Putain, la force quoi. La force du mec. Ça serait dingue, ça serait un peu de la triche mais bon. La force du mec sans déconner. Fan de ce Wiggler qui est un peu bourré. Je suis pas très fan de ce Wiggler un peu bourré. Pas très fan de ce Wiggler, parce que le Wiggler rouge quand il est... Enfin, le Wiggler quand il est rouge, je comprends jamais en fait. J'ai jamais compris son pattern. Alors, si quelqu'un peut me l'apprendre, son pattern du Wiggler rouge, je ne l'ai jamais compris. Des fois, il fait des « Who's Ben ?»« Who's Ben ?»
Et toi, tu te fais baiser, quoi. Genre, tu prévois de faire un truc et le wiggler, il fait « Non, regarde, change de côté !» Du coup, t'es baisé. Il me suit juste, mais des fois, il me suit plus. Ah, il me suit par rapport à la tête. Enfin, si je dépasse... Ah ouais, d'accord, ok, je vois le truc. Mais chiant quand même, parce que tu le dépasses facilement, quoi. Et des fois, il change de côté trop. Relou. Relou. Ouais, sur le gars, j'ai tout mon temps, mais je me fais toujours bait par sa direction, ouais. Coucou à toi, Daz. Bienvenue à toi dans l'attention libre. Merci pour ton follow. Comment vas-tu? Comment il va? Pardon? Pam, padam, pam. Eh oui, mais j'étais trop à gauche parce que la chaîne, j'ai mal jumpé au début. Du coup, j'ai dû la chercher loin à gauche. Et en faisant ça, eh ben, j'avais plus la chaîne au-dessus après. Quel enfer. Mais c'est pareil. Putain. Oh, oh, oh. Je vais mourir. Mais oui, parce que j'ai choisi trois droites. Putain, je suis mort comme une merde sur le Wiggler. Putain, j'ai le seum encore. Le shell jump. J'ai raté le shell jump pu. Bravo. Alors, c'est deux sauts, pas trois. On va y arriver, hein, promis. Hein. Je sais pas dans quelle année. Voilà, mais on va réussir, hein, évidemment. Et ouais, c'est mort. Oh, ça passe quand même. Ah oui, parce que je fais le gros connard à vouloir contrôle comme une merde. Et du coup, je prends la scie, forcément. Bon, il y a un charge un peu à la con à tous les coups. Oh, c'est trop. C'est trop parce qu'il faut sauter avec l'inertie de la chaîne, sinon il se passe ça. Et comme c'était trop tard, j'avais pas l'inertie de la chaîne, je crois. Ta mère, ouais. Ta mère maintenant. Pourquoi je dois whiff sur ce bloc tout le temps? Ouais. Je dois whiff qu'on vous avance sur les blocs de mort là. J'en ai marre maintenant.
Et tu veux pas en finir un jour là dans ton niveau? Merde! C'est long là! Ouais, ouais. Bah, je sais pas, hein. Bah, je suis généralement pas fan des nailles comme ça, un peu violent, parce que les nailles, j'aime bien quand c'est des petites puteries, d'accord? Là, c'est pas une petite puterie là, hein. C'est genre, vas-y, hein, joue mieux, mec, hein. Ouais, par à gauche. Ouais, évidemment que tu t'enchaînes un point. C'est juste un YOLO challenge jump d'ailleurs. Pourquoi? Avec en plus un peu d'élan. Pourquoi je ne suis pas en plus? Putain! Éducation de merde! Aucun honneur! Aucune dignité à rien! Pam pam pam. J'aime pas ça. A tout Arkid, bon courage. A tout à toutes. Mais ça me casse les couilles ce Wiggler de fils de pute de merde! Nique ta mère, Wiggler! Bordel de cul, il fait n'importe quoi, il fait des gauches-droites comme ça, il est relou! Putain, tu fais une prévision pour aller à droite pour jumper, tu peux pas parce que ce connard il se dégage! C'est pour ça que j'aime pas les Wiggler! Je dois whiff qu'on vous avance sur les blocs de mort là! J'en ai marre maintenant! Ah non, mais il m'énerve le Wiggler, vraiment! Je prépare un move et il m'interdit de faire le move parce qu'il change d'action ce con! Et je m'y attends pas! Et je meurs comme une merde sur un Wiggler de merde encore. Zekate. Arrête, fais pas ton Maxime. Maxime, il m'appelle Zeketch. Tout le temps. Je sais pas pourquoi. Il doit déraper sur le C à chaque fois. Les gros mots. Ok, pas de gros mots. Tu fous la merde! Tu fous la merde! C'était Ara, je crois. Il manquait pas grand chose. Il manquait pas grand chose. La chaîne Twist de The Sketch, c'est un peu ça. Ah hein. Oh ouais, j'ai pas eu l'élan. Bref, voilà, je m'attendais à avoir max élan, je ne l'ai pas eu, du coup bah je peux pas chez le jump hein, vu que je m'attendais à lâcher plus tard en fait. Et une mort pour rien. Et une mort pour rien, évidemment. C'est dur de pas dire de gros mots, hein. J'ai envie d'en dire. Hein. J'ai vraiment envie. Hein. Et vous imaginez, je serais obligé de vous donner un sub après quoi. C'est trop. C'est trop. Félicitations! Yeah! C'est bon!
J'ai pas dit gros mot, j'ai réussi. J'ai le droit à un petit GG, même si j'ai pas réussi de niveau. Oh merde. Eh oui, j'ai fait le con, j'ai fait un rebond de trop. Ah, je vais trop loin. Ça passe quand même. C'était juste. Ok. Deuxième essai. Troisième, pardon. Quatrième, je sais plus. Pff, je ne sais plus. Il me faut l'élan par contre. C'est bon. Ah bah ben, c'est pas trop tôt. Ok, le niveau est cool, très très cool, j'ai bien aimé. J'ai juste eu un petit peu de problème avec les deux challenge jumps en fait, les deux YOLO m'ont posé problème. Le challenge jump au début m'a posé problème, mais c'est la gestion d'inertie qui était particulière. Une fois qu'on l'a, c'était bon. Mais très très cool. Très 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 cool, merci pour ce niveau Yoro. Niveau suivant. C'est pas moi, je vous jure, c'est pas moi, c'est une perceuse. On aurait pu croire que c'était moi qui ai pété, mais pas du tout, c'est une perceuse. Coucou Nazo! Bonsoir à toi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Niveau 2, nom 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 nom, s'il est encore là. Il est encore là. Ah, mon genou. NX3. J'ai froid au pied. GYR. 2 kg. Pam 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 padamam. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Un niveau un petit peu... Ben voilà! Ça a l'air bien, ça! Ça a l'air ok! Des bisous à toi, Level King, à toutes! Bon lurking! Bon lurkinguru! J'ai froid au pied! Voilà, c'est dit! C'est dit, j'ai froid au pied! Ah ouais, c'est deux, hein! Ouais, dommage. 185, ça va, ça se fait. Sans trop de problèmes, normalement. Faut que je prenne champignon. Il manque une... Bah ouais. Ben oui, enfin, le but est que je prenne le gros champion en tombant directement sur le petit bloc là, parce que sinon je peux pas atteindre le prochain bloc. Ah, je tombais trop loin. Ta 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 ta. Pardon ?
Jean-Michel s'en bat les couilles, il vient plus. D'ailleurs, on peut un peu fromage, je crois. Je crois que si on est assez balèze, on peut fromage un peu. Mais c'est pas grave, on va pas à fromage, on n'est pas là pour ça, évidemment. Si on est là pour... On peut pas fromage parce qu'il a un parachute. Du coup, il tombe pas assez vite. Enfin, il y a quand même un monde où on peut le passer, je pense. Mais bon, flemme. Très bizarre ça. Ok. Quoi? Je suis un gros con, je crois. Hein. Ouais, je crois que je suis un gros con, hein. Je suis un gros con. Ok. Oui, non, je suis un gros con. Il est vrai. Il est vrai que je suis un gros con pour le coup. Oh, waouh. Faut aller vite, hein. Faut aller très très vite, là. Oui, bah ça serait bien que ça fonctionne aussi. Ok. Que ça va me saouler. On va jouer avec la croix directionnelle parce que les inputs passent pas sinon. C'est très chiant. Mais putain! Faut vraiment que je change la manette, hein. J'appuie vraiment en bas et il décale à droite, hein. C'est vraiment insupportable. T'es qu'un gros con, c'est un nouveau mot de la langue française. Ouais, mais là pour le coup, clairement. Mais mec, il faut. Enfin, c'est un peu dégueulasse là. Ça, je suis très peu fan de ça. C'est un peu serré du cul quand même. C'est genre même méga serré quoi. Mais oui, mais il veut pas de... ça m'énerve parce que je fais un down, il fait pas le rodé, il fait pas l'épée vers le bas. Avec le stick. Parce que je le fais beaucoup trop tôt, mais en même temps, dès que je saute, je suis censé pouvoir rodéo normalement. Ah, jeu de mort. Je suis une merde. Je me suis cogné. Bonsoir à toi, Ezol, et joyeux non-anniversaire. Exactement, joyeux non-anniversaire à toi aussi, Ezol. Bonsoir, bonsoir, comment est-ce? Ok. Coucou Isaacé, j'espère que tu as la forme, que tu vas bien l'ami. Que tu respires le bonheur. Comment est-ce? Ah. Qu'est-ce que...
Je dois faire quoi? Je sais pas ce que je dois faire. C'est vrai que je peux aller à droite, il me touche pas, je crois, les boules. Ah oui, d'accord, je dois tuer tous les pots. C'est bon, je l'ai. Ah, il me touche quand même. Merde, je pensais qu'il me touchait pas. Ok, c'est pas évident. Faut d'abord péter à droite, ensuite péter à gauche. Un peu dégueulasse dit comme ça, mais vous m'avez compris. Ok. Le boss est très cool. Pourquoi il y a une porte là? Pourquoi il y a une porte? Y aurait-il un cheese? Y aurait-il une dev? Ah ouais, argent. J'ai pris le pognon. Y aurait-il une dave? Une dave? Une dave? Une petite dave? Bien entendu, on vient de parler de pognon. J'aime énormément l'argent. C'est ma passion. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est un bon niveau. Nice level, my friend. Very nice. Niveau suivant. J'ai l'orteil qui gratte. Niveau de Gabdi. Gabdi, Gabdou. Pardon. Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Ouais, je suis en train de crever. Un Guild Wars. Vie de cul. F2H. Ça va bien, les seuls, tranquille. Pardon, j'ai mis longtemps à répondre, mais ça va bien. Tranquille, tranquille. T'as encore une minute, Potion Craft, j'ai ça juste pour qu'il finisse ce jeu. Alors, je me suis un petit peu renseigné pour Jack Smith, c'est un peu plus que la dernière fois, à Malouane. Ça fonctionne, mais ça va être dégueulasse, visuellement parlant. J'avais déjà répondu. Pff, je suis bourré. Ça va être dégueulasse, visuellement parlant, parce que c'est un jeu en flash, anciennement flash. Du coup, c'est compliqué à trouver déjà. Et en plus, ben, c'est pas très beau, quoi. Je sais pas, il y a plein de sites qui le proposent. Si t'en as un qui est parfait, avec une bonne qualité, il faudrait que je le fasse. Mais on fera pas de moult live dessus, hein, en vrai. On fera pas 50 live dessus, hein. Parce que le jeu avait l'air cool, évidemment, mais... après un petit live, quoi. C'est Jack Smith, un jeu flash, je peux comprendre. 51 ? Non, je pense pas. Toujours dégueulasse, hein. Enfin... c'est toujours dégueulasse ici, hein. Que ce soit un Bowser ou pas, c'est toujours l'enfer du cul. Ah, mais il y a un checkpoint, ça va. Il y a un checkpoint, j'avais pas vu. T'en as pensé quoi, l'air de Tears of the Kingdom? En vrai, ça va. Moi, j'ai pas été en mode, waouh, trop bien, des nouveaux trucs. J'étais en mode, bah, super, ça ressemble à l'autre, quoi. Du coup, je vais pas autant de plaisir que sur l'autre, hein. Comme on l'avait déjà dit, clairement ça va décevoir les gens qui s'attendaient à des nouveautés, quoi. Après on n'a pas tout vu, hein. Mais je m'attends pas à des folies de nouveautés, quoi. Je m'attends à jouer au même jeu avec des petites tanks plus, quoi. Et ce côté-là, ça risque de décevoir certains. Mais d'un autre côté, au moins, ceux qui ont adoré la première formule vont pas être trop déçus pour l'autre. Hein. Oh, quel enfer. C'est dégueulasse, hein.
Oh le bâtard. Ouais, il sera différent, mais je veux dire, on va y faire la même chose plus ou moins, je pense. Après, on n'a pas vu le contenu du jeu, hein. On n'a pas vu ce que le jeu proposait, quoi. Donc on sait pas trop comment on va jouer au jeu, tu vois. Comment ça va les outils et tout. Mais pour moi, je m'attendais pas à quelque chose de nouveau, hein. Je m'attendais vraiment à des... à ce qu'on y fasse plus ou moins la même chose dans le jeu. Ça a trop plu pour que Nintendo fasse des trucs différents, je pense. C'est hyper chiant. Je trouve ça plus chiant qu'avec le Bowser, pourquoi? Parce que le Bowser, il bougeait moins, je crois. Ah bah oui, il bougeait moins parce qu'il avait une... il tirait les flammes. Du coup, il était plus souvent immobile. La formule, dis-moi, quelle formule que tu aimes pas? Coucou Yann Martin, bonsoir. Sur Zelda Breath of the Wild? Moi j'ai bien aimé, ça va. Les armes qui se pétaient, j'aimais pas, et ils ont remédié à ça en rendant toutes les armes utiles, entre guillemets, parce que tu peux les recycler, on va dire. J'ai failli mourir. Alors. Oh là là. Ah mais c'est fini après. Bon c'était la fin en fait après le boss la dernière fois. C'est déjà plus appréciable mais c'est toujours aussi peu construit quoi. Il y a toujours aussi peu rien dans le niveau hein. Sinon tu vas sur Philippine Studio, tu downloads le jeu en allant sur Free Games, tu télécharges et tu peux jouer en bonne qualité. Par contre tu auras sûrement des pubs de temps en temps. On essaiera peut-être pas. On essaiera peut-être ça du coup. Je verrai à Malouane. Parce qu'en flash, ouais, les sites de jeu, c'est un enfer. Hein. C'est dégueulasse. Hein. La qualité, ça rame. Pff. J'ai bien un petit cool parce que avec les checkpoints, c'est plus appréciable. Les phases sont cool, mais encore une fois, c'est très décousu quoi. On comprend pas le concept du niveau. Tu vois, on s'attend à un niveau avec du poison, enfin, à esquiver le poison, tu vois, les champis poison. Sauf que. Il y a un Bowser en plein milieu, enfin, il y a un boss en plein milieu. Ensuite, il y a des Rodeo Cancel Jump, Wall Jump, pardon. On comprend pas tout. Ouais, c'est un peu le chaos. C'est un peu ça. C'est décousu et un peu chaotique. Mais c'est pas dégueu à jouer, les phases sont sympathiques. Sauf le boss un peu chiant. Mais voilà. Niveau suivant, niveau de Mr. Fleas. Le monde de Mr. Fleas. Le petit monde de Mr. Fleas. Moi, c'est ça que j'aime, les armes qui se détruisent, sinon ça serait trop facile. Ouais, mais c'est trop facile, mais du coup, pour moi, ça, c'est embêtant, parce que si jamais tu veux t'amuser à collectionner les armes dans Zelda Breath of the Wild, ben, tu peux pas. Bon, tu pourras toujours pas le faire dans l'autre, hein, visiblement, parce qu'elles se pèteront et tu les recycleras, mais... tu vois, j'aime bien, moi. Tu sais, je drop une arme qui est trop cool, qui est trop belle, je veux la stocker dans ma maison, tu vois. C'est un monde ouvert. Je veux pas devoir jouer avec, parce que sinon, j'ai plus d'armes et qu'elles se pètent en je sais pas combien de coups, quoi. Ça m'ennuie. Je trouve ça un petit peu dommage, moi, qu'on puisse pas... On peut les collectionner, évidemment, mais... Certaines armes, elles sont uniques et tu pourras jamais jouer avec et en même temps la mettre pour la collectionner, quoi. Sinon, tu peux directement jouer sur le site Flippin Studio sans te charger le jeu, mais il faut Adobe. Ouais, je sais, ouais. Ah, il faut le flash, ouais. Y'a que des châteaux. On essaiera ça, ouais. Ah! Oui, j'ai pas vu, pardon. Oui, oui, Bastien, excuse-moi. Oui, c'est vrai qu'il y avait un raccourci, je l'ai pas fait. Oh, j'ai zappé. Après, moult tension au niveau du rouge, j'ai full zappé. My bad. Oh, j'espère que tu m'en veux pas. N'empêche, moi, je me rappelle que t'avais dit que c'était le dernier scrolling la dernière fois. Et depuis, on en a déjà eu 3. Thank you.
Oh, j'ai eu de la chatte, non? Ah ouais, d'accord, je choisis mon... Ouais, bah je préférais l'autre. Hein. Voilà. Ça dégage! Argent? Argent! Je disais qu'il y avait des glitches qui te permettaient de conserver l'invulnérabilité de l'arme ou de la cloner en soi. C'est pas trop... Ouais, mais c'est de la triche, tu vois. Enfin, j'aime pas trop quand c'est de la triche. J'aime énormément l'argent. C'est ma passion. Moi, j'aime pas trop quand c'est de la triche. J'ai pas envie de tricher. C'est dommage qu'on va passer par un glitch, tu vois. Ouais, pas penser de base, c'est ça, quoi. J'ai piqué une bombe. Est-ce que ça me servira? Peut-être. Peut-être pas. Je suis où, là? Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Pourquoi moi je suis allé en haut? Pourquoi toi tu m'as donné la possibilité d'aller en haut? Si facilement en plus, hein, j'ai pas forcé là. Je veux dire, je vais voir s'il n'y a pas un secret, quoi. Là, il est... Enfin, je veux dire, il est... J'ai pas cherché la merde, là. Hein. Des fois, certes, je cherche la merde quand je me softlock, mais là, je l'ai pas vraiment cherché, hein. Parce qu'il est juste tout près, là. Hein. Je te rappelle que tout à l'heure, dans une même colle comme ça, t'as mis un secret en haut, hein, avec des pièces, hein. Oh, c'est triste. Hello, Classfold. Hello, my friend. How are you? On va attendre, parce que je l'ai fait de refaire le scrolling, tu vois. Ah, c'est le problème du scrolling, hein. C'est qu'en plus, tu me softlock après. Pff. Ah ouais, hein. T'aurais dû mettre des kaizos, ouais. T'aurais dû mettre des kaizos, comme ça, on n'aurait pas pu monter. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Le niveau était cool, hein, jusque-là. Je vais attendre une minute, ouais. De même, d'ailleurs. I came a while ago, think I just... Ah, sorry, sorry. Yes, I think I missed. Yes. I'm fine, thank you. Ah, faut faire attention au softlock, hein, c'est la violence, quoi. Tam pam 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 pam. Oh, la déception du softlock, quoi. Je rappelle que ce soir, du coup, j'en profite. Ce soir, ça sera... Among Us. Among Us. Du coup, bah, écoutez, c'est comme le Todd. Et bon, qui dit vendredi, dit Amal, le troisième imposteur. Dit amusement, quoi. Je vois l'idée à Malouane. Il m'a proposé pour son son, etc. Je vois le truc. C'est dommage que ce soit relativement identique. Ce soir, c'est surtout moi, le plus beau, qui va vous slash, pardon. Pardon. S'il y a un point à râler, c'est les donjons et les boss qui sont toujours pareils. Tu imagines des donjons style Ocarina of Time, mais dans Breath of the Wild. Ouais, ça manquait, ça. Bon, plus que 40 minutes à attendre pour la tarte. Ça y est, c'est fait, Caro. Ça s'est bien passé. Pas de surprise. Pas de mauvaise surprise en essayant de la faire. Heureux, Caro. Ça va, ça, ok. Nickel, alors. Nickel. Ok. C'est bon pour jouer aux jeux vidéo. Oui, le marteau dans la bouche. Je dois faire la vaisselle, c'est tout. Je pourrais la faire après, si tu veux, la vaisselle. Sauf si c'est vraiment collant, à cause du sucre. Dans quel cas, faut le faire au plus vite, mais... Je pourrais également la faire si tu veux.
Attends, mais comment j'y vais là? Mais t'es sérieux? C'est hyper chiant pour prendre le tuyau. Désolé. Bah, moi ça me dérange pas, le jeu va bien me plaire. Hein. Ce qui me dérangeait un peu, c'est que la DA, quand tu joues au jeu, quand je joue sur les sites à la con, ça a trop l'air d'être un jeu navigateur, tu vois. Ça fait un peu cheap, quoi, pour un live. Ça faisait cheap. En tout cas, si la qualité est beaucoup plus appréciable sur le site officiel, pourquoi pas. Clairement, pourquoi pas. Mais le jeu, moi, j'ai pu tester vite fait, ça me va. Hein. Bon, après, on va faire qu'un live dessus, quoi. On va pas faire 50, mais... Ça peut se faire, ouais. Coucou Sora, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, comment vas-tu? Attends, mais du coup, t'as fait la pâte toute seule et tout? T'as fait la pâte toi-même? Elle a tout fait, la pâte et tout. Oh, j'ai hâte de voir la pâte. J'ai hâte de la manger. J'adore là. Un live dessus, mais un live de 283 000 heures, exactement. Non, quand même pas. Ça fait beaucoup. Tu m'as parlé? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris quoi? Un quoi? Un bucket? Un bucket? Non? Pourquoi? Bah je sais pas, j'en ai pas pris. Ça parlait de quoi avant? Bah je crois qu'on parlait de Jack Smith. Le jeu que Amal One veut que je fasse en live. Qu'est-ce que... Pardon? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais qu'est-ce que c'est que ce boss? Mais il n'y a pas de place. Et je retourne où là? Oh là 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 là! Au secours! Oh là là. Tu sais, quand je vois JS, je pense pas à Jack Smith. Ouais, tu penses JavaScript, évidemment. Je m'en doute un peu, Sora. Mais non, c'est bien les bains de Jack Smith. Mais je me trompe le bouton. Allez, mon champignon, il est où, là? Aïe, 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 aïe. Ok. Eh, c'est vrai qu'on peut... On peut game over, quoi, si jamais. C'est vrai qu'on peut game over et se retaper le scrolling, du coup. Ah, c'est un peu infâme, en vrai. Hein. C'est un peu infâme, en vrai. Hein. Parce que là, le boss, il est, bon, relativement infâme. T'as acheté le spin challenge? J'ai pas vu. Ah ouais, d'accord, bon, on a pas fini, hein. Il a acheté le spin challenge. Eh bien, dis donc. Eh ben, on va spin d'ailleurs. C'est vrai, faut que je spin. Eh bien, on va spin. Merci Gabdi. Hein. Gabdi qui veut vraiment que mon plaisir à chaque fois.
Ta da da dam pam pam pam. Ah, j'ai raté le coche. Et on va spin et on va spin. Je suis assis pas le 6 soir, exactement. Le truc c'est qu'on risque de... On risque de game over quoi. Hein. Parce que le boss est dégueulasse. Hein. Déjà qu'il est dégueulasse sans spin. Je ne dois que spin maintenant. Yes. Merci Gabdi. Hein. Ça fait plaisir. Hein. La chatte. Ok. Ok, c'est fait. Bordel de bon Dieu, de bonsoir. Le diabo était cool, hein. Le boss un peu chiant peut-être. Félicitations. Ça va. Niveau suivant. Niveau de Mikael. Ça va, pas trop déçu Gabdi que je réussisse assez vite. Alors, R4C. 745 52G. Qu'est-ce qu'on fait, Mikael, chez toi? Le parcours de Liane? H potion craft, normalement. Ouais, faudrait que je close la file. Faudrait que je commence à close. Je pense qu'on fera une dernière... Non, pas une dernière session. Faut qu'on continue un petit peu... Non, faut qu'on continue un petit peu Potion Craft. Faut qu'on finisse Potion Craft, de toute façon. Paf ! Argent ! Fallait que j'aille à droite, c'était marqué. C'était marqué, mais j'ai préféré ne pas aller à droite. Vous avez vu ? À quel point je préfère mourir ? Ah, faut sauter. Ok. La quoi ? La pierre philosophale. La quoi ? La pierre philosophale. La quoi ? La pierre philosophale. Ah merde, je suis tombé. Pourquoi ? D'ailleurs ? Parce que j'ai raté un petit millimètre, quoi.
Zeket, tu te souviens du niveau que tu as bof car il y avait deux Bowser chats? Ah ben, tu as va peut-être bof l'avant-dernier niveau, mais en vrai, j'ai deux Bowser. Ça dépend après, si. Ça dépend encore une fois, hein. C'est pas le Bowser chat que je bof, hein. C'est l'utilité. L'utilité qui en est faite, hein, que je bof. Le Bowser chat, bon, il est skillé, il est chiant de base, mais. Faut voir l'utilisation, quoi. Très cool ce concept, hein. Ça fait plaisir parce que moi, c'est un concept qu'on voit pas souvent, voire même jamais celui-ci, hein. Moi j'ai jamais vu ça moi. Ah j'ai pas pu en haut. Ça en vrai ça j'avais jamais vu hein. Je crois pas l'avoir déjà vu ça hein. Ça fait plaisir de voir un concept nouveau. Merde. En plus là il est friendly d'accord, il est très friendly. Il y a moyen de faire un truc beaucoup plus hard. Très cool, hein. Très très cool. Oh, par contre... Hein. Par contre, l'inversion, on doit up pour attraper la liane et ensuite aller en bas, ça me crame le cerveau, il semblerait. Oh... J'ai cru avoir sauté avant de tomber, mais apparemment, non. Ah, oh, je peux sauter. C'était pour le concours de Stardam ce niveau, non, c'est ça? On est d'accord, hein? Non? C'est pour quel concours ce niveau, je me souviens plus. C'est fou comme mon cerveau ne veut pas, je m'accroche et je reste en up, je descends pas. C'est dingue. Natsu, ok. Il est incroyable ce niveau. Ah non, faut pas que je fasse ça. Donc là, je me suis dit, de toute façon, quand ça descend, je peux full maxer, parce qu'en tous les cas, je me raccroche automatiquement. Mais quand ça monte, il faut que je puisse sauter. Cette phase-là me perturbe. Ouais, non, je suis pas obligé, je sais, mais sinon, je la rate. Je la rate, Mickaël. Si je la chope pas directement, je la rate. Parce que j'oublie de rappuyer. Pas sauter parce que j'appuie up comme un connard. T'as gagné le concours avec, ça m'étonne pas. Hein. Il est incroyable ce niveau. Je sais pas que j'ai pas vu tous les niveaux du concours. Mais celui-ci il est incroyable. Hein. Par contre, je pue la merde. Hein. Ça. Là, je peux maxer up. Et je peux pas sauter, putain. Parce que je suis en haut et du coup je tombe, je me raccroche, j'ai pas le temps de sauter. Oh, faut jouer mieux maintenant. Oh, ça me perturbe, j'arrive pas. J'arrive pas à maintenir up sans... En lâchant, juste pour m'accrocher, quoi. Forcément que je up un petit peu dessus, quoi. C'est dingue. Là, j'ai pas eu l'élan. Ok, je vais galérer à faire le niveau. Ça va être incroyable. Je vais vraiment galérer. Je vais jouer avec les croix. Peut-être pour être sûr de faire des up. De manière précise.
Bah en fait, il suffisait de jouer avec la croix, quoi. On joue avec la croix, c'est plus simple. Ok, le niveau est incroyable. J'ai switché une fois avec la croix, ça s'est bien passé, quoi. Aussi que j'arrivais pas. Bon, le niveau est incroyable, hein. C'est... Y a rien à dire, quoi. Rien à dire, ce niveau est fou dingo. Il est dingo dingo. Oh, j'ai galéré, hein. Waouh. Ouais, bah j'étais au stick, et au stick, c'est plus chiant. Je trouve ça plus chiant. Niveau suivant. Niveau de Léa. Et on va close, je pense. Et je pense qu'on va close la queue. L'open so qui est close the queue. J'ai les yeux qui brûlent de fatigue, les gars. Let's go. 4D5. C'est le monde, je crois, elle m'a dit. XS4. HCG. Bon, c'est des bons niveaux Nintendo, normalement. Il n'y a pas de soucis. Faut aller vite. Hello Didi, coucou Didi, bonsoir. Ah, il a mis le titre. Il a parlé du sop. The queue is closed, my friend, sorry. The queue is closed for today. Eh, c'est court. Ouais, faut aller vite, mais pas trop non plus, on a grave le temps, quoi. On va quand même en faire un autre, parce que c'était un peu rapide. Hein. Ouais, c'est tout. C'est bizarre, parce que normalement, il n'y a que des bons niveaux, mais là, il était méga fast, le niveau. Il était méga fast. Ah, l'oreille qui démange. Ça me dégoûte l'oreille, quoi. La musique est folle ici. Complètement dingue la musique. Ah. Non mais c'était pas son état parce que je pense à un concept, enfin c'est thématique dans le... J'ai pas fait attention au titre, c'est marqué en japonais je crois, non? Ouais. Ça se trouve ça c'est conceptuel par rapport au super monde, tu sais. Ce mec là a fait que des bons niveaux jusque là, donc ça m'étonne qu'il y en a un qui soit hors contexte. Hein. One Piece, trop bien, One Piece, ouais. Hello. Là, pareil, ce Bowser a l'air sympathiquement bien géré pour l'instant. C'est un scrolling. C'est un scrolling, s'il est trop long, ça méritera pas un cool, ça c'est clair. C'est un peu chiant ce scrolling, ceci dit. On va le faire redescendre un peu. Ah merde, bah non, ou pas en fait. Ok, il est un peu grand quand même. Hein. Ah. C'est un peu chiant. Ouais, ouais, mais je voulais pas... Un peu chiant.
pas très fan de ce boss finalement. Bah je suis un peu moins fan de ce niveau. Ouh, ça sent bon. Tatam patam. Pas très fan de ce niveau, je vais pas mettre un cool. La montée était pas trop dégueu, mais la façon de tuer de Bowser un peu mais. Ah bah le Super Monde est fini. Ah bah c'est dommage, je finirai dessus. Pas très fan de la fin du Super Monde. Je prenais du plaisir sur les niveaux et la fin est un petit peu décevante. Le boss n'était pas assez marquant. Ouais, décevant, ouais. Très décevant le level de fin. Bon, ce Super Monde est fini. Mais les 5 derniers épisodes de One Piece, très long. Alors moi, je suis très en retard sur One Piece, Saint-Martin. Je suis très, très, très en retard. Je crois que je m'étais arrêté avant la fin. Il voulait débarquer sur sur Yano, je crois que ça s'appelle. Wano. Ah, Wano, je crois que c'est. Il venait de débarquer là-bas et j'ai arrêté ici, donc il me manque une bonne centaine d'épisodes. Hein. Il me manque une bonne centaine d'épisodes. Donc, voilà. Niveau suivant. Niveau de classe Fold. Et ouais, de manière générale, l'anime se traîne en longueur. Wano, c'est ça. Pardon. Mais il me manque quand même bien 100 épisodes, hein, puisque... Mais qu'est-ce que t'attends? Bah j'attends que l'arc soit fini totalement. Comme ça, moi, je regarde par arc et comme ça, je suis pas en mode... la fin! La suite! Tu vois? Je suis pas en mode la suite, elle est où, là? Comme ça, j'ai pas besoin d'attendre la suite, j'ai tout d'un coup. Moi, je suis adepte du binge-watching, moi, y'a pas de souci. Vraiment très adepte. Mais pas tout le temps, parce que c'est vrai qu'il y a certaines choses. Laisser un petit peu poireauter et attendre pendant une semaine, voire plus... C'est ce qui permet de créer de la hype et ce qui permet de créer des échanges. Vous savez, tu sais, de l'imaginaire dessus, quoi. C'est sûr. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il en est, en fait? Etc. Donc, ça dépend des choses. Des fois, je suis en mode, je préfère binge-watcher. Des fois, je suis en mode, je préfère... attendre chaque semaine. Mais le problème de One Piece, c'est que ça traîne toujours en longueur. Typiquement, je crois que les épisodes, au début, ils faisaient 20 minutes, d'accord, pour de vrai, hein. Et plus on avançait dans l'animé, plus les épisodes faisaient 10 minutes, quoi. Dans le sens où... T'avais un récap de l'épisode avec à la fin un petit mémo de ce qui va se passer, etc. Tu perds pas mal d'épisodes. Hein. Naruto, c'est pareil. Hein. Ils ont commencé à faire des épisodes d'anciens et puis tout à coup, après, les épisodes, ils réduisent en taille, tu sais. Un peu chiant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Rambo? What the fuck? Vas-y, on va voir Rambo. Les gars, on va voir Rambo, ça a l'air incroyable. C'est Rambo! Rambo, Kaizo Light. C'est Rambo. Les gars, c'est Rambo. Odoyan. Enfin, c'est pas le même, du coup, mais... Enfin, c'est pas le même personnage, quoi. Ce qui est chiant, c'est les gens qui spoilent. Oui, les gens qui spoilent, c'est quand même chiant. Après, ils font pas exprès, hein. Encore une fois. Il y a des gens qui spoilent volontairement, mais tu le sais. Il y en a, ils font pas exprès de spoil. Hein. Il y en a, c'est parce qu'il y a trop d'entrain, ils veulent en parler, tu vois, et paf. Oh, c'est excellent, le niveau. Valand Saga, c'est Vinland, c'est ça? Vinland Saga. Faudrait que je regarde ça. Faudrait que je regarde. Pour One Piece, désolé, mais un épisode entier pour donner un coup de poing à Dressrosa, c'est traîner pour traîner. Ouais, c'est vrai que pour Doflamingo, c'était un petit peu long quand même. C'est vrai que c'était. Le build-up pour mettre le coup de poing à Doflamingo, c'était quand même quelque chose, hein. C'était quand même quelque chose, hein. Oh, incroyable ça. Incroyable ce move. En même temps, à la base de Flamingo... Oui, non, mais bien sûr, je sais, Yannartin, mais en animé, en fait, ce qui se passe, c'est que comme... Tu vois, ils doivent faire plus ou moins exprès de traîner un petit peu pour pas trop aller loin, vite par rapport à l'animé, parce qu'il faut attendre le matériel de départ pour pouvoir le faire en animé, tu vois. Et ben, ça slack un peu, des fois. Des fois, il y a des build-up qui sont vachement cool, et des build-up que tu sens que c'est un peu pour traîner, quoi. Il y a des build-up qui sont bons dans l'animé, des fois. Quand c'est lent et que c'est fait exprès d'être lent par rapport au manga, les build-up sont très cool, certains. D'autres, voilà, quoi. Il y a un build-up très très cool qu'on se rappelle,
Je pense pour ceux qui ont connu Dragon Ball, rappelez-vous le la phase où j'ai des frissons avec des palettes, tu vois, tellement ça me rappelle les souvenirs. Rappelez-vous le moment où Sangohan il se transforme en Super Saiyan, je sais plus quelle forme, juste avant de tabasser Cell. C'est, vous voyez, rien que d'y penser, j'ai des frissons quoi. Ce build-up, il est incroyable. Il est incroyable ce build-up. Hein. La musique, tout est parfait. Hein. Merde. Et les build-up qui sont bons à prendre, des build-up qui sont un peu chiants. Et que tu sens que c'est fait pour traîner, quoi. Pif. Ce niveau est très smooth, hein. Exactement, Ezol. Ce niveau est très smooth. Hein. Et maintenant, Sangohan est un peu nul. En vrai, ouais. Quoi qu'il est pas si nul, parce que je crois que dans le dernier film, il tabasse. Hein. J'ai pas vu le dernier film, mais j'ai vu quelques spoilers à droite et à gauche. Je crois qu'il tabasse un peu. Hein. Je crois qu'il tabasse un peu. Hein. Ouais, on va regarder ce build-up tous ensemble, parce que c'était quand même quelque chose de mémorable. On va pas se mentir. Oh là là. Ce build-up, c'est quelque chose. Hein. Allez. Je m'enlève, hein. Je m'enlève pour ce build-up. Ah, mais c'est juste la musique! Ah merde! Je pensais que toute la scène. Ok. Vous vous rappelez les images là? Là on voit plein d'images. Et tout à coup, paf! Ah c'est fou. On va mettre la scène plutôt, ouais. C'est vrai qu'il n'aime pas se battre, Sangohan, ouais. Attends, on va mettre le vrai build-up, on va mettre la vraie scène. Tac. Ah ouais, hein, Gohan, faut pas le faire chier, hein. Ah ouais, Gohan, faut pas l'emmerder, hein. Vous emmerdez Gohan, c'est fini, en vrai. Aïe, aïe, aïe. Fouf. 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 Et les frissons, ils sont là. Waouh. Mais un défaut au VF, c'est qu'ils enlèvent tous les thèmes musicaux pour les remplacer par des... Oh, ah oui, ça, c'est vrai, ça. Non, t'as raison. Il y a pas mal de thèmes qui sont enlevés. Et puis, il y a... Souvent, en VF, il y a moins d'intensité. Il y en a, hein. Très souvent, il y a moins d'intensité dans les... Dans les émotions, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est moins intense, souvent la VF, pas tout le temps, il y a des fois c'est très bien fait, mais souvent c'est très plat, je trouve. C'est mon problème avec la VF de temps à autre, pas tout le temps encore une fois. Ça va de mieux en mieux les VF, hein. Mais les VF à une certaine année c'était vraiment très plat. Hein. De toute façon, voilà, l'année pour moi l'année, enfin les années avec Naruto et tout, les VF étaient un petit peu plates, très souvent, je trouvais. Ouais, c'est pas la même, je sais pas comment expliquer, c'est... Je sais pas, ça a pas le même impact, ouais, c'est bizarre. Mais autant cette scène est folle, mais le combat Majin Buu versus Gohan Ultimate, c'était quelque chose... Ah ouais, l'impact d'Eco, etc. Mais c'est fou, de toute façon, l'animation de Dragon Ball, c'était quand même quelque chose d'incroyable. C'était quand même quelque chose d'incroyable, en vrai. Parce qu'en vrai, très souvent, dans pas mal d'animés qui se veut de baston de nos jours... Bah, même les super, hein. Les super, au début de super, c'était pas foufou. Hein. Les derniers combats de super, on sent que ça s'est rattrapé en termes d'animation, etc. Mais au début de super, c'était pas dingo l'animation des combats. Hein. C'était vraiment. Tu sentais pas d'impact, c'était pas dingue. Hein. Sur la fin, ça va encore un peu mieux, quoi. Mais. Il y a beaucoup d'animés comme ça, ouais, de nos jours, où ça s'atteint souvent et tu sens pas l'impact des coups, tu la ressens pas, quoi. Ils sont pas si ouf, mais c'est toujours mieux que le début, quoi. Ezeket, la reine a Dressrosa avec sabot, puis les fruits de Ace, j'adore. La reine a Dressrosa, j'ai bien aimé aussi, ouais. La reine, c'était cool, c'était marrant, sympathique, comme moment. Attendez, c'est niveau suivant, là. Bien sûr. Niveau de Gabdi, pardon. Les personnages natifs à l'univers ne sont pas expliqués. Ah oh, ouais, non, ils ont fait n'importe quoi. Hein. Ils ont fait n'importe avec Super, sur les personnages, sur l'histoire, etc. C'était n'importe quoi. RJQ. Là, typiquement, le Sangohan, il redevient un petit peu fort au dernier film, mais... Ah, c'est pour... Vous sentez ça?
Bon, ça sent évidemment la tarte au top pomme, évidemment, mais ça sentait surtout sur Dragon Ball Super et la suite, les films, etc. Le fanservice, quoi. Hein. Ça sent fortement le fanservice. Hein. I will kill you. Bah, super. Bonne ambiance. Alors, c'est un de mes premiers niveaux, alors c'est moyen. Sache que des derniers niveaux, certains sont moyens aussi. Hein. Goku n'a jamais été le perso le plus intelligent, mais il n'a pas non plus été un abruti. Ah ouais, non, un abruti fini. Die. Oh, la musique, j'aime bien. Ce son-là, ça fait très... En fait, ça me rappelle une musique de Secret of Mana, la musique Thanatos. Ah, écoutez, on va écouter ça. On est là pour discuter. Ça me rappelle cette musique. Je sais pas pourquoi. Ces deux notes m'ont rappelé cette musique. Juste ces deux notes. Hein. Vraiment rien que ça. Alors non, parce qu'elle est recastalisée. Du coup, c'est pas les mêmes sons. Ouais. Ok. Je sais pas, ces deux notes m'ont rappelé ça, moi. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est la musique de Thanatos dans Secret of Mana et cette musique incroyable. Quand t'es gamin et que t'entends ça, t'es en mode « Ok, je crois que j'affronte la mort. Je crois. » Je parle des personnages principaux, Gohan est un personnage secondaire, oui c'est vrai. Et justement, dans Dragon Ball Super, il est celui qui est le plus respecté. Alors Super, ouais, mais t'as vu le dernier film ou pas, Glum? Dans le dernier film, ouais. Beaucoup de simplement détruits dans Super. Et DBS, en fait, ce n'est ni plus ni moins qu'une opération marketing et la Toei pour vendre de nouveaux jeux. C'est possible, ouais. Moi, j'ai toujours pas regardé non plus, ouais. Vous avez vu cette musique, c'est incroyable, hein. Je vais jouer, Gabdi, mais j'écoute la musique et je discute avec vous. On va jouer. My Hero Academia, sinon c'est assez quali dans l'ensemble. Ouais, apparemment c'est pas mal aussi. Moi, je m'étais arrêté à la première saison et c'était nul et chiant. My Hero Academia, la première saison, c'était chiant parce que c'est un petit peu trop... c'est un peu trop école, quoi. Ça m'a un peu gavé. Le côté beaucoup trop école, vas-y, on apprend à se taper sur la gueule, etc. Mais à ce qui paraît, après, ça envoie quand même du lourd. Donc, faut que je relance. Il y a quand même une centaine d'épisodes aussi, donc ça va. Ça tatane, ouais. Ça tatane après. Au début, ça tatane pas beaucoup, ouais. Oui, ça fait encore école, mais je veux dire, c'était, il y avait que ça quasiment, quoi. Cette musique est folle, hein. Pam, pam, pam. Oh là là. Et là, on est sur Super NES, hein. Ça va, le son, quand même, hein. Ah, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Super. Ah oui. Si, oui. Il y a un animé qui est cool pour les plus vieux d'entre nous qui connaissent. Fly. Je crois que Gnome doit connaître. Je pense que Sora aussi connaît. À l'époque de Club Dorothée. Fly. Le plus grand des héros, c'est Fly. Voilà. Ben, sachez qu'ils ont refait tout l'animé. Ah, tu connais pas? Et ben, ils ont refait tout l'animé au complet, c'est Dragon Quest en gros. Ils ont refait tout l'animé au complet. Et terminé cette fois. Ils l'ont refait récemment, elle est finie. Et tout au complet. Donc si jamais les gens qui connaissaient veulent la mater à fond et toute l'histoire cette fois, ben voilà. C'est pas Nikki, c'est Fly. Bah ben, c'est Dragon Quest, Fly, c'est Dragon Quest. Dice Quest, c'est ça. C'est Dragon Quest en vrai. C'est le premier. Cette musique était folle, hein, voilà, c'était pour cette musique, tout ça. Juste les deux notes qui m'ont fait penser à cette musique. Ces deux notes-là, hein, seulement. Je sais pas pourquoi. Et ouais, apparemment, Dice Quest, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, ça tatane pas mal, l'animation est excellente. Oups, j'ai pas démarré. L'animation est folle, et l'animé est dingue.
son histoire, pour ceux qui avaient commencé à l'époque, on a tous été déçus de voir qu'en fait, il y avait 24 épisodes et qu'on n'a jamais vu la fin. Ah ouais, faut contrôle. Ça sent fortement la tarte, hein. Ça sent trop bon. Et ouais, Dice Quest, je pense que je vais me le faire t'animer. Je refinis, je pense, One Piece avec Caro. Je pense qu'après, on... Je vais essayer Dice Quest. Pour me rappeler des bons souvenirs. Merde. Ouais, c'est tout creepy, là, hein. J'avoue. C'est tout creepy, quoi. Oh, il a pas connu Club Dorothée, il est trop jeune, le bébou. Non, c'est pas que t'as raté, c'est que les animés, c'était cool, quand même. C'était une époque incroyable pour les animés. Cette époque-là. Bon, certains animés étaient un petit peu trop... un petit peu trop sensuels, quoi, mais... mais sinon, c'était sympa, quoi. Non, faut vraiment que je contrôle, hein. GTO, c'était cool, ouais. GTO, c'était très cool. Ouais, si, il connaît, mais il a jamais vu à l'époque. Comme toi, Malwan, je pense que tu n'as jamais vu de Club Dorothée. Mais il connaît. Oh, c'est chiant. Minikems. Oh, Minikems. Minikems, j'ai pas vraiment été trop fan. Oh, non. Oh oui, c'est bon. J'ai pas trop regardé les minicums, je connais, mais j'ai pas trop regardé, je connais les chansons. Mélissa, non, ne pleure pas. Wow, wow, wow. Je suis sourd. Oh, le son est dégueulasse. Alors, dans l'ensemble, dans ce qui est contenu hors animé, je préférais regarder Minicum, c'était beaucoup plus divertissant que Club Dorothée, d'accord? Parce que c'était un petit peu neuneux, Club Dorothée, en vrai, je trouvais. À l'époque où j'étais gamin, tu vois, de nos jours, tu regardes le Club Dorothée, tu te dis, c'est un peu neuneux. Par contre, dans le contenu des animés, etc., je préfère regarder ce qui était sur Club Dorothée plutôt que sur chez les Minicums. L'époque des Minicums, il n'y avait pas des folies dingues à regarder, hein. Je trouve. Oh, ça a un peu cramé, je crois. Ouais. Oh non, j'ai passé. Après, c'est Sarah, c'est la petite qui se fait tabasser par tout le monde, mais NP, quoi. Ta-da-ta-ta-ta. Razmoket, j'ai pas été fan de Razmoket. Et Arnold non plus. En fait, tout ce qui n'est pas japonais, j'ai pas été très fan. C'est fou, hein. Moi, je suis un manga fagote, moi. Oh, j'ai raté le tuyau, je crois. Ah oui, comment il s'appelle déjà, le 5ème mousquetaire? Non, non, le 5ème mousquetaire. Comment il s'appelle, moi? Albert! Albert! Albert le cinquième mousquetaire! C'est vrai. C'est vrai, ça. Ça sent bon! La tarte est prête, je la laisse reposer 10 minutes. Ça marche. Ça sent trop bon. Oh, ce son, c'est horrible, hein. Gabdi, tu as craqué ton slip ici sur ce son. Ah, mes oreilles. On dirait que je suis en fin de vie, quoi, sur ce son. Comment ça, non? Qu'est-ce qu'il me raconte?
qu'est-ce que c'est que ce niveau? C'est même pas moyen, s'il y a rien. Ah, Princesse Sarah, ouais, j'avoue, mais rien de tel qu'une bonne dépression pour démarrer dans la vie. Ah ouais, non, clairement. Princesse Sarah, putain, ce qu'elle prenait, les gars, et ça passait à la télévision, il y avait NP, quoi. Vraiment NP, quoi. Ah, Princesse Sarah, c'était dur, hein. La maltraitance, tout ça, quoi. Ah, oh, shit. Ouais, non, mais c'était dur, Princesse Sarah, hein. Bordel de cul. De toute façon, tous les animés avec les prénoms de filles, etc. Mais Rémi sans famille, Rémi sans famille, les gars. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie. Ta 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 ta. Je m'appelle Rémi et je suis sans famille. Ah ouais, non, Rémi, c'est quelque chose, hein. Mais Rémi, sa famille, les gars, il perd tout le monde. Il perd tout le monde, voilà. Si jamais... il est pas déjà assez... dans la merde comme ça, malheureux comme ça, il perd tout le monde en plus, hein. Voilà. Oh, je suis en train de mourir là-dessus, là. Gabdi, t'as fait un son de mort, ici. Ok. Je suis pas convaincu de ce move là, hein. Je pense sûr, mais je suis pas sûr. Hein. Ah, il a perdu parce que j'ai gagné. Bah, dis donc, t'as voulu faire un niveau un petit peu comme. Comme Sans d'Undertale, là, c'est ça? Bon, ça va, c'est pas déplaisant, mais ça manque d'indication. Je mettrai pas le cool, par contre. J'ai regardé il y a pas si longtemps et je me suis quand même demandé ce qui avait traversé l'esprit des créateurs pour montrer ça à des noms. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça, c'est fou. Hein. Mais il y a tellement d'animés comme ça... c'est japonais, je crois, d'ailleurs, Sarah. C'était en collabo avec des Français, je crois, Sarah. Mais je suis pas sûr. Peut-être autre chose. Mais tout ce qui était avec des prénoms de filles, souvent. Princesse Sarah, il y en a plein, de... il y a plein d'autres. Hein. Plein d'autres. C'était très, c'était souvent très la merde. Hein. Pas de la merde, mais souvent très la merde pour la personne en question. Hein. C'était ouf. Ouais, c'est ça, il y a Gigi, il y a plein de choses un petit peu... Tu sais, c'est des animés, c'est pour les gamins à la base, d'accord? Et en fait, non, hein. Et pas trop non plus, hein. Genre, voilà, hein. Niveau suivant, dernier niveau de Mr. Fleas, le super monde. Et ensuite, on partira sur Potion Craft, on continuera à discuter d'animé, évidemment. Je crois que je l'ai vu, le... Attends, c'est... si c'est vieux... Si c'est récent, j'ai pas vu, mais si c'est vieux, voilà. Ouais, il en a fait plein, ouais, j'ai vu ça, ouais. J'avais vu. C'est récent, alors je l'ai pas vu sur Minicums. Bon courage pour les cours, Gabdi, à plus tard. Ah ouais, non, mais années 80, c'était pas la même ambiance. Et après, à côté de ça, t'avais quand même pas mal de gens qui voulaient quand même censurer les animés qui étaient un peu plus bon enfant, quoi. Où, tu vois, ça te racontait pas la femme, c'est à la cuisine, etc., quoi. parce que, bon, il y a des animés avec Princesse Sarah et des noms de filles, etc., où... Ouais, il fait pas bon d'être une femme, quoi. Qu'est-ce que je fais, c'est les mondes, là. Ah, c'était... C'était pas le même monde, hein. C'était pas le même monde, je pense, hein. Ouais, Lady Oscar. Lady Oscar. Putain, j'ai tous les trucs en tête, en plus. Lady Oscar, j'ai jamais accroché, hein. Versailles Nobara, j'ai jamais accroché. Vraiment, c'était pas mon kiff du tout, hein. En fait, à chaque fois qu'il y avait des épisodes comme ça, je passais, hein, j'attendais, hein. Moi, je voulais mon Dragon Ball, moi. Il y avait aussi une petite époque sympathique, qui est venue plus tard, peut-être en même temps que les Minicums. En vrai, c'est l'époque Canal+, pour ceux qui l'avaient.
Il y avait une petite période Canal+, où l'après-midi, il passait Escaflon et Évangélion. C'était incroyable. C'était l'après-midi, je crois, hein. C'était pas le soir. Le soir, il y avait autre chose le dimanche soir, je crois. Sur Canal+. Le dimanche soir, il y avait sa cartoon, hein. Sur Canal+. Il y avait sa cartoon de 8h à 9h que je regardais tous les soirs avec mon père, ça c'est clair. Oui, sa cartoon, c'est trop bien. J'adorais moi sa cartoon. Mais ouais, non, je parlais d'une autre époque. Je crois que c'était l'après-midi, en fait, quand tu sortais des cours vers 16h30, 17h, t'avais Escaflon et après t'avais Évangélion sur Canal+. C'était en clair, je crois aussi. Et bah, incroyable. Enfin, deux chefs-d'œuvre. Hein. Escaflon, chef-d'œuvre, et Évangélion, chef-d'œuvre aussi. Hein. C'était incroyable. Par contre, les deux, c'est pas la même chose. Ouais. Il y en a un, c'est beaucoup moins amourette. Tandis qu'Escaflon, c'est beaucoup plus amourette, quoi. C'est beaucoup plus. Oh. Ouais, il y en a un, il y a beaucoup. Il est un peu plus shoujo que l'autre. Il y en a un, il est plus shoujo, quoi. On va dire. Dans les grandes lignes. Mais les deux sont très cool. Hein. Il y avait aussi l'époque manga, après, ou même pendant, pour ceux qui avaient la chaîne, où ils passaient BTX, des petits trucs, des petits animés comme ça qui étaient jamais sortis chez nous, mais que plus tard on avait sur des chaînes comme ça, BTX et tout, c'était incroyable. Escaflon, c'est trop bien, Escaflon. Na 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 na. Ta na na na. Trop bien, Escaflon, moi j'adorais. J'adorais Escaflon. J'ai découvert en devenant grand que si parfois les parents avaient la flemme de faire la bouffe le dimanche soir, c'est parce qu'ils avaient trop fait la fête le week-end en vrai. Ouais, moi, alors ça, moi, je le découvrais pas. Hein. C'est-à-dire que moi, je le vivais, quoi. Hein. C'est-à-dire que tous les samedis soirs, mes parents bah, jouaient avec leurs amis aux cartes, etc. Et c'était une époque où, en fait, la fumée de la cigarette, d'accord, c'était incroyable. Hein. C'était des aquariums. Hein. Les apparts, c'était des aquariums à chaque fois. Hein. Ils jouaient jusqu'à 4h du matin aux cartes, etc. Aux yams et tout. Des aquariums, hein. Des aquariums, les gars. C'était une autre époque, hein. Incroyable, hein. Si bien que je sais même pas comment je suis encore en vie aujourd'hui, hein. Ah ouais, non, mes parents, ils jouaient aux yams, ils jouaient aux cartes, la blotte, plein de choses, etc. Avec leurs amis le soir, le samedi soir. Tu sais, décompressés de la semaine, quoi. Hein. Ils s'amusaient avec leurs amis le samedi soir. Et jusqu'à 4h du mat. Et les enfants, tu vois, on jouait à la console dans leur coin. Tu sais, il y avait des enfants, de la famille et tout. On jouait à la console, etc. Et on s'amusait bien, quoi. On s'amusait bien et on se couchait tard, on était contents aussi, on était gamins. Par contre, on savait pourquoi le dimanche soir, ils étaient rincés. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Mais par contre, ouais, hein, le salon, c'était zone interdite. Hein, parce que c'était, je vous jure, c'était un aquarium de ouf. Hein. C'est la nicotine seulement, rassurez-vous, mais c'était un aquarium de dingue. Hein. Ah ouais, hein, c'était fou, hein. J'ai connu ça, bah oui, les dimanches après-midi de la fille dans votre appart. Les dimanches après-midi de la fille dans votre appart, comment ça? Ah, de la famille, ah oui. Ah oui, c'est ça, hein. Ah ouais, non, c'était fou, hein. Oui, oui, tu les as vécu aussi ces dimanches après-midi de temps d'autre, hein. C'était incroyable, hein. On était dans le coin, on jouait, bon, des fois, on n'avait pas le choix parce que la console était dans le salon, du coup. Tu sais, les parents, toi, t'entends rien, tu veux jouer à la console, t'entends rien, t'as pas le son. Et t'es en mode, bon déjà tu subis parce que la nicotine, etc. Et tu veux jouer, tu vois. Sauf que les parents disent, les vieux, etc. Ils te disent, tu baisses le son, s'il te plaît, on s'entend pas. Ils sont déjà en train de gueuler. Ils jouaient à la pelote, ils gueulent déjà. Ils gueulaient tout le temps. Du coup, tu montais le son pour avoir une once de son, toi. Ils gueulaient tout le temps. Ils parlaient tout le temps fort. Tu n'entendais pas, toi. Et du coup, on dit, tu peux baisser le son, s'il te plaît, c'est un peu fort. Mais fais... Et toi, t'es gamin, tu dis, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule, c'est sûr. Mais oui. ils s'embrouillent pas, tu sais, mais quand ils jouent aux cartes, voilà, ils fument des cigarettes, mais ils ont le petit apéro à côté, quoi. Donc du coup, ils essaient de parler plus... C'est les soirées Among Us, quoi. C'est les soirées Among Us, hein. C'est pareil. C'est les soirées Among Us, hein. Sauf que, voilà. Et du coup, ils haussent la voix pour se faire entendre, etc., pour qu'on les entende, et du coup, voilà. Oui, avec une télé, donc du coup, c'était dans le salon, et c'était incroyable. Par contre... J'ai moins apprécié la nicotine, ceci dit. J'étais moins fan, moi. Jamais été fan de la fumée de nicotine et de mes cigarettes, et ça m'a toujours, voilà.
C'est ça, du coup, il s'amusait, il faisait pas gaffe, mais c'était fou, hein. Mais couille, comment on fait pour entendre le film? C'est ça. Après, moi, je regardais pas les films parce que j'avais quand même une petite télé dans ma chambre si je devais regarder un dessin animé. Quoique, non, en vrai, si. Si, si, quand j'étais gamin, il y avait quand même un moment où je voulais regarder Le Roi Lion dans le salon parce que c'était le seul magnétoscope pour l'instant. Sauf que c'était pas possible. Hein. C'était pas possible, les gars. C'était impossible. Hein. Impossible à entendre quoi que ce soit. L'avantage, c'est que je connaissais les dialogues par cœur, donc j'avais pas de soucis. Le son était dans ma tête. Hein. Le son était déjà dans ma tête. Hein. Je dois aller où, là? Pas ici, je crois. Hein. Ouais, j'avais le son dans ma tête, hein. C'était bon. Hein. Oh, c'était tellement une bonne époque, quand même. C'était une bonne époque. Hein. Je sais pas si les parents de nos jours, ils font toujours ça. Vous savez, se réunir le samedi soir et faire des jeux de cartes, des jeux de plateau, enfin, s'amuser avec leurs amis parce qu'il faut décompresser la semaine, quoi. Bon, maintenant, c'est nous les parents, bientôt, mais... Ah, je pense que je ferais ça, moi. Hein. Toujours. Hein. Bah j'ai grandi dedans, je trouvais ça pas fun et je trouve ça cool qu'on soit plus prudent, mais après je préférais toujours des fumeurs à des gens... Bref. Ah oui, moi aussi, ah oui, par contre nicotine, ça non, tu vois. Mais je parlais, tu sais, surtout de la réunion comme ça entre amis de longue date et des jeux avec les enfants qui s'amusent entre eux et les parents qui s'amusent entre eux aussi. Je suis câble là, non? Ou je rêve? Je serais très cool et très bon enfant et très cool pour les gamins aussi, quoi. Parce que tu vois, ils ont quelqu'un avec qui jouer et puis ils se divertissent aussi, quoi. Mes parents m'ont raconté que lorsque j'étais petit, je coupais le son de la télé pour faire les dialogues tout seul. Mais oui. Oui, ça c'est fou ça. Bon, par contre, t'es un fou parce que moi jamais je couperais le son, hein. Faut que j'entende. Moi je me souviens quand t'étais gamin, Loïc. Alors, sachez-le, croyez-le ou non, hein. Mais Loïc, quand il jouait à un jeu de combat quand t'étais gamin, d'accord, il venait chez moi très très jeune, hein. D'ailleurs, il me semble même quand il était très jeune, il t'écrivait en miroir, c'est très bizarre. J'ai jamais compris comment tu faisais, mais t'écrivais en version miroir. Trop fort. Et du coup, quand il était très très jeune, on jouait à Tekken chez moi. Je vous jure, il le vivait le combat. Oh, une tarte aux pommes! Il n'y a pas sucré. Merci. Elle est belle. Je sais pas si c'est bon. T'as tout fait? Elle est vachement belle. J'ai tout fait, j'ai pas de la pâte. On dirait un peu clafoutis un peu quand même. Quoi? Ça fait un peu clafoutis et comment tout. Ça, clafoutis? Parce que t'as mis de l'œuf, non, dedans, t'as mis beaucoup d'œuf. Oui, bah c'est pour ça. C'est l'œuf. C'est très joli. Je finis ma phrase après, hein. J'ai tout fait de A à Z. Elle est belle en vrai. C'est un peu une texture clafoutis, ouais. Mais ça a l'air vachement bon. Plus qu'une tarte. Parce qu'il n'y a pas de compote. Normalement, la tarte, c'est compote au fond, tu vois. Ouais, mais j'ai pris une tarte. Ouais. Là, elle a l'air excellente. Attendez, on va goûter. Et pourquoi il manque un bout, là? Je vais payer le bout de la tarte. Elle est un peu. Ah, elles sont pas cuites, les pommes. Ah oui. Et je veux manger! Ça sent bon, en tout cas. Ça sent la pomme chaude. Je crois qu'elles sont pas assez cuites, mais. Ça va, hein? C'est ça. La pâte? Ouais, la pâte, elle a cramé, non? Non? Elle a pas cramé, elle a pas cramé. Hein. Je sais pas. Ah non, mais elle est dure à. Elle est dure, oui. Et je veux manger la pâte! Je veux la goûter! On va prendre tes doigts? Non, parce que après je stream. Si je prends mes doigts, je touche plus la manette. C'est une sablée que t'as fait? C'est une sablée, oui. Ouais. T'as fait une pâte sablée? Félicitations, j'en ai jamais fait. La pâte, elle est comment? Elle est dure. J'ai peut-être mis un petit peu trop. Elle est sucrée la pâte. Ouais, ça se sent parce qu'elle est caramélisée un petit peu. C'est très bon. Oh. Ça manque un peu de sucre parce que t'as pas sucré, mais c'est non, très mais bon. En fait, il y a pas beaucoup de sucre dans les deux. Mais au moins elle est fit, quoi. Non, elle est bonne. Très bonne. Très très bonne. Merci. Donc je disais pour Loïc, hein, pour Sora, quand il jouait à un jeu de combat, il le vivait littéralement. Hein. C'est-à-dire que. Alors, je peux vous faire la scène. Hein. D'accord. Alors, les poches poubelles, c'est pas des poubelles, hein, c'est des habits. On n'a pas les meubles encore. Il était comme ça, hein. Il jouait comme ça, je vous jure. Hein. Toi, t'étais à côté, tu prenais les coups de pied. Hein. Il jouait debout déjà, il jouait pas assis. Et t'étais à côté, tu prenais les coups de pied. C'est pas des vannes, hein. No joke. Je sais pas ce qu'il en est de nos jours quand il joue fortement à un jeu de combat, mais je sais qu'il y a pas si longtemps encore, il y a peut-être 10 ans. Bon, ça fait longtemps, mais voilà. En fait. Il était tellement focus sur le jeu qu'il clignait pas des yeux. Et du coup, il avait les yeux rouges, rouges. On s'est fait des soirées Smash Bros où il était rouge des yeux. Il chialait des yeux, il était rouge. Rouge chez rouge. Ah, c'était incroyable.
Qu'est-ce que j'ai raté? Les droitiers comprennent pas... Ouais, je comprenais pas l'écriture miroir, c'est vrai ça. Qu'est-ce que j'ai raté? Ouais, j'ai raté, je crois. Je mange une tarte pomme faite par Caro, le Bel King. Du coup, j'ai dans l'équipe rouge. Je l'ai, Malouane, parce qu'il était à gauche, c'est ça? Il était gaucher. Je l'ai. Ça va pour les yeux maintenant? T'as appris à les cligner quand tu joues à un jeu vidéo? Oui, on discutait, c'est vrai que je l'ai pas remis. Merci, Caro. Entre temps, il a appris à cligner des yeux, c'est un peu ça. Mais c'était fou, hein. Après, en vrai, ça le fait à tout le monde, ça, hein, le fait d'avoir les yeux rouges quand on joue trop. En fait, quand on est vraiment concentré, moi-même, ça me le fait, j'oublie de cligner des yeux, tu vois. J'oublie. C'est pas que j'oublie, c'est que je suis tellement concentré à garder la vision fixe pour être pour bien jouer, entre guillemets, focus, quoi. Et que j'en oublie un petit peu de cligner des yeux, et du coup, ça rougit, quoi. Mais ça m'arrive de moins en moins, quoi. Enfin, ça m'arrivait pas souvent non plus. Ah ouais, non, quand il jouait, il avait son XP à fond, quoi. Clairement. Ah, la jeunesse, quoi. Belle époque, tout ça, hein. Et quand les parents jouaient aux cartes ou aux yams ou peu importe à quoi ils jouaient, est-ce que vous aussi, ça vous arrivait de leur demander de... Je peux jouer avec vous? Et là, mon gars, qu'est-ce qu'il fallait pas demander? En étant trop jeune par rapport à ce qu'ils avaient décidé, d'accord. C'était des noms, casse-toi. Et tu faisais chier le monde, mon gars. Tu les emmerdais. Ah, tu le sentais que tu les emmerdais, hein. Ah, clairement, moi, je le sentais que je faisais chier, hein. Ah, je le savais, hein. Pour le Yam, je les faisais chier. Pour les cartes, je les faisais chier. Pour tout, je les faisais chier à chaque fois, hein, pour ça. Ah, ouais. Après, en grandissant, c'était ok. Et c'est vrai que maintenant, ils pleurent pas pour qu'on joue avec eux, mais disons que maintenant, ils sont en mode, les parents, ils sont en mode, vas-y, on se fait un petit jeu, là. C'est vrai, ça. Oui, alors, après, en grandissant, Flore, on pouvait jouer avec les parents, entre guillemets, mais clairement, on devait être focus sur le jeu, tu vois. Tu sais, ils aimaient pas qu'on... Enfin, les miens, en tout cas, les parents, les grands, en tout cas, avec qui on jouait, les parents, ils aimaient pas qu'on... qu'on fasse l'enfant, quoi, qu'on divague. Parce que quand t'es gamin et que tu joues aux cartes, ça te prend d'envie de jouer aux cartes, mais tout à coup, ça te prend de faire autre chose, quoi. Et du coup, tu fais... Et là, ils sont en mode... Tu joues maintenant, sinon tu joues pas! Voilà. Ta mère, maintenant! C'était un peu ça, quoi. J'en ai marre, maintenant! J'ai pas déjà fait ce niveau, moi. Pourquoi ça me parle, cette phase-là? Mais on sent qu'il y a des codes langage qui sont créés depuis... Ah ouais, non, mais clairement. Les gars, je vais manger le gâteau parce que c'est incroyable. Ma grand-mère nous a appris le tarot, mais si on faisait un seul faux pas, on se faisait défoncer. Non, moi, le tarot, non. J'ai trop dur pour moi. J'ai jamais voulu jouer au tarot, c'est trop complexe. En fait, même depuis tout gamin, j'aime pas perdre. Hein. Et le problème du tarot, c'est que c'est quand même complexe en termes de stratégie. Pareil pour la belote, en vrai. Enfin, quand t'es gamin, tu l'as pas la stratégie, du coup, tu te fais défoncer, quoi. Et du coup, compliqué. Nous, on jouait aussi au Rami. Au Rami espagnol ou Rami italien. Très cool et beaucoup moins difficile. Et elle est excellente, ta tarte. Hein. Je l'adore. Hein. La pâte, elle est excellente. Elle est juste chiante à couper, mais elle est excellente.
Tam padam pam. En plus, la belote, je sais plus comment on joue. Le tarot, j'ai su à un moment donné, mais je ne me rappelle plus non plus. J'aime bien le côté clafoutis, hein, le côté œuf dedans. Ça donne un côté très sympa avec le sablé. En fait, il faut, je crois qu'il faut vraiment un couteau pour la manger. Vous mangez avec les doigts. Mmh. J'adore. Je vais la défoncer la tarte, je pense. La sauce, la... Ouais, je vois. I see, I see. Ta merde ! Vous avez mis Fleur en PTSD, au secours ! Au secours, au secours ! Ben niveau terminé, très bon niveau ça aussi encore. Bon, on a pas mal discuté d'autres choses, mais... On prend du plaisir. On se rappelle la jeunesse, quoi. Alors que maintenant, c'est nous les vieux cons, hein, évidemment. N'est-ce pas, Malouane? C'est le plus jeune d'entre nous. Eh bien, c'est une fin de session de Lore Maker. On va partir jouer à Potion Craft, qui sera tout aussi chill, évidemment. On continuera à discuter, évidemment, de plein de choses. Et quelle bande de vieux cons, ouais, j'avoue. Ta mère maintenant! Pourquoi je dois sur ce bloc tout le temps? Ah là, il y a des rappels de jeunesse avec les parties de tarot, là, j'ai l'impression. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose, là. Hein. Ah non, mais moi, ma jeunesse, j'étais content. Hein. Les samedis, j'adorais, moi, les samedis, hein, quand j'étais gamin, parce que... Qui disait samedi, disait que les parents ramenaient leurs amis, et... ou alors on allait chez les amis, hein, ça dépendait des fois. Et du coup, je jouais avec leurs enfants, tu vois. Et leurs enfants, bah, on jouait à la console, quoi. On s'amusait en multi, on faisait que du party game, en fait, du fou. Et c'était un truc de dingue. C'était un truc de dingue, que des party games, c'était incroyable, moi, j'adorais. Des Mario Kart, des Mario Party, pff, un plaisir, quoi. Un plaisir, en vrai. Tellement fun. Tellement important, en plus, pour un gamin, je pense, de s'amuser comme ça. D'avoir une journée où il s'éclate de ouf, comme ça.